C'est le sang, mesdames et messieurs. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Content et besoin de faire foufou le week-end. Alors, je suis complètement largué dans le milliard de trucs que je suis en train de déclencher. Attendez, déjà, je m'assure que je diffuse bien, parce que parfois, ça peut... Là, ça a pas... Donc, à vous, les studios. Je règle ma régie, on peut le dire, c'est une régie. Et là, pouc, on voit Mishcraft. Ou pas. What? Pourquoi je la vois pas? Pourquoi j'ai un écran noir The Last Revelation? Mais que signifie? Comment est-ce possible? Attendez, j'ai merdé mon lancement. Alors, je vais avorter le jeu, parce que là, il s'est très mal amorcé, j'ai pas compris. Bah alors? Il refuse de mettre le jeu en plein écran. Ah, j'ai jamais vu ça. Ah! Alors j'espère que votre tour il est bon. D'ailleurs, c'est bête, il faudrait presque que je me fasse un contrôle qualité, vous savez, c'est de mater mon propre signal sur tablette. Sur tablette déchargée. Elle s'allume pas, elle a plus de batterie. Merde. Oh mon dieu. Ah, j'ai pas l'air idiot du tout. Mais alors, du tout, du tout. D'ailleurs, elle est où ma deuxième... J'ai la chance d'avoir deux batteries. Qu'est-ce que j'ai fait de la seconde? La première, je l'ai à vue. Mais la deuxième, qui devrait d'ailleurs être plus apparente, parce que... Ah oh, bah, elle est à côté. Tout va bien, je vais bien. Attendez, du coup, excusez-moi, je regarde... Ah mais 0-0 quoi, c'est la batterie s'est complètement vidée, c'est pas plus mal, je vais l'entretenir du coup. Ah, ah non, pas complètement vide, 10%, oh mensonge. Oh là 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 là, oh, excusez-moi, j'ai pas pris cette précaution. Alors pour tout vous avouer en fait, j'ai une déception, je vous ai préparé les vidéos de... Vous savez, les cinématiques du jeu qu'on devait se faire en version française. Je les ai téléchargés la semaine qui vient de se passer, là. Et je viens de me rendre compte que la liste de lecture que j'ai faite en imbriquant dans le bon ordre les séquences a été cassée quand je suis passé de Linux à Windows. Et les informaticiens, enfin ceux du métier, ceux qui sont habitués, surtout des deux systèmes, vont se dire « Mais oui, c'est évident que... » La liste de lecture ne peut pas fonctionner d'un système à l'autre puisque la syntaxe, on va dire, la manière d'écrire les chemins où se trouvent les fichiers sur le disque ne sont pas la même entre Linux et Windows. Donc du coup, je l'ai dans le baba. Et j'avais commencé en fait à renommer un à un les fichiers, mais cet opus-là, il y a 40 vidéos. Alors j'en ai à peine renommé 3 que j'en avais déjà marre. C'est pas surtout... Enfin bref. Je me suis tué hier, rapidement, en fin de journée, à mettre dans l'ordre, à faire mes lectures. Enfin bref, je me suis pris comme un pied, j'ai perdu du temps pour rien. Et j'ai tout à refaire proprement, quoi. Bon, alors, la tablette, elle se lance, lui, ou Crotunium? Elle doit digérer une mise à jour. Ce qui m'interdit d'accéder à Twitch et de voir si je vous fais un bon rendu de jeu ou pas. Alors, excusez-moi.
J'ose pas zapper sur mon propre ordi parce que si ça me fait sauter le mode fenêtré plein écran, là j'ai pas aimé le caca nerveux qu'il m'avait fait. Il y a des moments où je me demande si j'ai le bon pilote de Car Graphics ou Windows là. Je sais qu'il y a une mise à jour dernièrement de Windows, comme j'aime l'appeler. Et ça a pas fait que du bien, malheureusement. Bon, ma tablette fait grève. Ah si, ça y est, elle commence à s'apprêter à me donner la main et à me permettre d'interagir avec elle. Bref, bon, je vais peut-être me lancer, vous me direz si quelqu'un a la gentillesse de se manifester sur mon canal, si vous y voyez quelque chose ou pas. Bref, j'en étais où, moi, je sais plus. Hic, j'en étais là, je crois. Oula, hic. Alors que je digère mon petit déjeuner... Dites-moi que la luminosité est faible. Voilà, au moins que je fasse de l'économie d'énergie. Et c'est important, d'ailleurs, on en reparlera sûrement demain quand on fera le camion, mais l'économie d'énergie, c'est bien en France. On est raisonnable, pour une fois, j'ai envie de dire. C'est bien, tout le monde fait des efforts. Et du coup, on pourrait éviter toutes les formes de coupure, quoi. On pourrait peut-être avoir finalement un hiver quasiment normal, et c'est très bien. J'ai envie de dire bravo tout le monde. Pourquoi je me vois pas moi-même Alors, dans ma propre sélection de la plateforme Twitch, je me vois même pas en train d'émettre. Alors, je sais bien que c'est mon compte, mais je suis quand même en droit de me mater. Ma chaîne, voilà. Là, je vais avoir le retour de mon signal vidéo et je vais voir si je le diffuse bien. Visiblement, oui. Oui, oui, c'est cool. Bon, bah, me v'la rassurer. Eh ben, c'est parfait, ça. Parfaitement parfait. Allez, Zou, c'est parti pour l'aventure. Ah oui, je m'étais arrêté devant la boutique. Le magasin. Que c'est sûrement, ça veut dire quelque chose en arabe, mais comme je ne lis pas l'arabe, je ne pourrais pas dire. C'est peut-être tout simplement marqué magasin ou shop ou bazar. Le mot bazar vient de l'arabe. Oh là là. Oh mon dieu. Alors j'ai vu dans le nom des cinématiques que cette chose s'appelait dragon. C'est un dragon égyptien, qui l'aurait cru. Oh mon dieu. Oula, il y a des choses à ramasser ici. Wow. Une artillerie lourde, ça. Ouya. Ouya, ya, ya, elle est morte. Lara Croft, adieu. Oh, le bestiau. Oh, voilà le morceau. J'ai l'impression d'avoir l'air très bête avec mon câble d'écouteur qui se trimballe. Voilà, je crois que je m'en sortirai mieux si je fais comme ça, non? Nope. Voilà. Alors, go. Tata-di-da-di-ga-di-ga-dou. Oui, alors il faut peut-être que je regarde après la cinématique, parce que... Voilà. Je me mets à l'abri du saligo parce que... Wouh, il cherche déjà à m'allumer. Oui, j'espère que j'ai sauvegardé. Oh non. Une branche et j'insecte. Oula.
Encore? Ouais, mais il faut vite s'en débarrasser parce que là il va tuer la Lara. Ouch. Très accidenté par ici. Oulala. Oulala, qu'est-ce qui s'est passé? Oulalou. Il y a eu l'apocalypse par le dieu Seth en colère. Mais attends, mais c'est les limbes ici. Non. Que signifie ce cratère, c'est les égouts qui ont pété là. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle peut rien faire. Ah si. Oh la classe. Oh là là, Lara Croft, elle est merveilleuse. Oh, cette femme. Elle est extraordinaire. Ah. Tellement étrange. Bon. Ça me dit pas de comment que je dois procéder que j'ai une pige plus rien. On n'est pas dans la mouise. Là, il n'y avait rien. Il n'y avait pas une intersection qui... Ah, c'est dans ce moment-là que je regrette de ne pas savoir lire les autres langues. Encore que là... Si, oh, si, ça veut peut-être dire quelque chose en arabe, là aussi. Ah, c'est, ça me rappelle... j'ai eu la chance d'avoir en collègue du boulot une jeune femme qui était de culture arabe. Elle était adorable. Elle me traduisait la langue arabe. Et la pauvre, assez régulièrement, je lui posais des questions d'un point de vue culturel. Elle avait la gentillesse et l'honnêteté intellectuelle de répondre à mes questions. Et c'était très enrichissant. C'est vrai que c'est une culture vachement riche, la culture arabe. Oula! Oulala! Wouah! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de bestioles, des horreurs encore pires que dans les pyramides, les temples que j'ai visités précédemment. Et là, ils sont en pleine ville. La population doit être terrifiée. Wouah! Mais que signifie ces malédictions? Ah, mon dieu! Flingue classique, le croco, ou... Un petit pompe, ça se refuse pas. La jet serait là. Tiens, d'ailleurs, je peux avoir une pensée pour lui parce qu'il est en plein déménagement, le pauvre. Et ça doit pas être drôle tous les jours. La jet qui m'aurait dit le sacro-saint fusil à pépon, le plus important. Bonjour, Tunsen. Quoi? Non! Ne me dis pas que c'est généré en boucle, le croco. Je vais jamais m'en sortir. Oh, le cauchemar. Non, mais vous êtes sérieux? J'attends un peu, parce que avant de m'engouffrer par cet interstice... Il faut que je m'assure qu'il n'y ait pas de bestioles qui viennent la croquer, la malheureuse. Oh là là. Ah. Minute papillon. Je pense à mon confort à moi. Au niveau de l'image de mon téléviseur, je l'ai peut-être mis en mode économie d'énergie. Parce qu'en semaine, ça me suffit pour bosser, en fait, pour ce que je fais. Par contre, pour jouer, je dois reconnaître que les couleurs sombres, je les distingue plus. Donc il faut que je m'assure que j'ai le bon mode. Ah oui, je suis en mode économie d'énergie maximale. Alors attends. Ah oui, dynamique là, ça... Il n'y a plus d'économie d'énergie, ça pète. Et là, je vois vachement bien les couleurs sombres. Comme quoi... Ah, c'est des explosifs, ça. Ah, c'est pour la vilaine bête, je pense, le... Ah oui, d'accord. En fait, il y a du matos dans cette zone.
Moi je dis sortie d'ici, la pauvre Lara, elle doit avoir les genoux dans un état. Elle peut plus faire de machina derrière. J'ai dit nappe. Ah là 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 là. Quelles sont les spécialités de ces boutiques? Papa, 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 papa. Alors, c'est dans ce moment-là que je me dis, il va falloir que j'allume sérieusement mon cerveau et que par l'analyse de la conception du niveau, je devine ce que j'ai à faire en fait. Ce qui sera pas forcément évident. Parce que le jeu m'a donné plus d'une fois du fil à retordre, comme vous le savez, ceux qui me suivent régulièrement. Voilà, là c'est vraiment périlleux. On est d'accord, alors je vais en profiter pour sauvegarder ce que je viens de faire et tout le matos que je viens de récupérer, mais on est d'accord que c'est la mort. Si je saute là-dedans, c'est... Ouais. On est d'accord, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien, c'est le... Voilà, c'est la fin. La mauvaise fin. C'est trop pour elle. Ouais. J'entends un bruit de corbeau, je sais pas si c'est dans le jeu ou si c'est dans la réalité. Oh, parlant de corbeau, j'en ai vu un en ville là récemment, le salopard. Il bouffait les... Au niveau de la voirie, on a des poubelles, voilà, publiques. Et sur Nancy, je sais que le dispositif change d'une ville à l'autre. On a tout simplement des arceaux métalliques qui retiennent des poubelles transparentes en plastoc. Le salopard de corbeau qui devait crever la dalle, qui était en train de déchirer le fond d'une poubelle pour répandre tout le contenu au sol et fouiller dedans s'il n'y avait pas de la bouffe. Ah, la suite, elle est par là. Oh. Va falloir qu'elle fasse sa gymnaste. Comment ça, 1, 2, 3 en chiffres romains en bas? Oh! 4. Oh! Tellement de mystères. Alors là, je vais pas chercher à... Pardon? Qui est beau! Ouh là là, c'est creux en dessous de la sépulture. Ouh là là, il y a encore un étage en dessous. Qu'est-ce que... Bonjour, Poupon. Ah, bonsoir, le pastissage de Nancy, que ça. Oh, on était déchaînés hier chez toi. Oh. J'espère que t'as bien dormi, que ça va bien, Poupon. Merci à toi d'être là. C'est vrai qu'on était déchaînés hier soir. C'était trop bien. Oh la rigolade. Bon, bah, je suis dans l'ordre. Avec les chiffres romains. Quelle ironie. On est en Égypte, on devrait avoir les chiffres en arabe. Et finalement, on se retrouve avec des chiffres romains. Ha ha ha. Ce mélange déjà des cultures, c'est type à beau. Oh. Oh là 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 là, tant de mystères. Attends, il n'y a rien de planqué là? Non, visiblement, il n'y a que Puig. Hop là. Hop là. Ok, ça descend. Non, sérieux?
parce que le levier est pété. Et j'ai pas compris là. On est d'accord, il n'y a rien à escalader. Étrange. Étrange, étrange. Ah, les plans de caméra, c'est pas forcément un cadeau. La première fois, je veux bien quand tu arrives dans les lieux, mais le mettre systématiquement, ça aide pas. Après, tu sais plus où t'en es, où est-ce que tu vas. D'accord, vu le... Ok, il faut que je passe par là. J'en connais une, si elle se décale pas, elle va finir rôtie avec le... Avec la lumière au mur, là. Merdôme. Non, t'es trop loin, ma grande. Allez, un jour, tu vas y arriver. Oh oui. Et de 4. Et il va me dire, c'était chronométré, je l'ai dans le babar. Attends, on entend des trucs bouger, mais je sais pas pourquoi. Mmh. Oh mon dieu! Le code est inscrit en haut. Alors attends, le 1, c'est... Oh là là! Oh, il y a un code, les salopards! Énigme! Les mystères de l'Égypte. Alors, Pompon dit, ça va pas trop mal, juste un peu, petit peu mal au point d'injection de mon rappel Covid. Ah oui, au niveau de l'injection. Bon, moi, ça va, ouais, merci. Alors, j'ai fait un cauchemar cette nuit et c'est ce qui m'a réveillé, en fait. Je suis réveillé depuis 7h du mat' environ, 7h30. Une de mes pires phobies, en fait, j'ai fait cauchemar, mais dans un lieu que je connaissais pas, mais c'était le principe que j'ai retenu. Je savais que j'avais le sentiment de me faire cambrioler, c'était horrible. Je suis réveillé où je me retrouvais confronté aux deux voleurs qui se barraient avec mes biens. À part ça, nuit normale, quoi. Mais c'est dingue, j'ai cauchemardé l'une de mes phobies, le fait de me faire... Chipper tous mes trésors. Alors attendez, la suite est par là. Le cauchemar hein, des deux voleurs était le fun fan. Quelle horreur. Oh là, quelle horreur, x2. Non, non, j'ai pas rêvé de fun fan. Non, d'ailleurs, ça me rappelle la conversation que j'ai eue avec Christella. Hors antenne après l'enregistrement d'hier soir, Poupon. Nachemman est allé se coucher, puis j'ai eu le plaisir, le privilège d'avoir 10 minutes de papote avec Christella. Et voilà, dans les dérives de la conversation, je lui ai témoigné d'expériences de rêves prémonitoires que j'avais fait quand j'étais jeune adulte ado. Qui c'était vachement troublant. Enfin, on en reparlera si vous voulez, on en reparlera demain quand on fera le vroom vroom camion. C'est des souvenirs que j'avais pas spécialement occultés dans ma mémoire, mais j'avais pas d'intérêt à les recenser, enfin les relater. Et là, ça m'a rappelé de me dire merde, c'est vrai que j'ai vécu ça dans ma vie, c'est trop bizarre. Attendez, qu'est-ce que... C'est un rebord sous lequel Lara peut... Ah non. J'ai cru qu'elle aurait pu, mais non. Alors attendez. Lara peut faire ça. Truc qui te bouffe, c'est une horreur. Merde, je suis retombé dans le... La 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 la. Mais non, mais... Mais j'ai toutes les bestioles qui vont me trucider à petit feu, là. Oh là, le comité d'accueil en Égypte, c'est plus ça. Je peux avoir une torche, s'il vous plaît, on n'y voit rien. Mickey! C'est beau! Oh là là! Mais non, mais arrêtez!
Et c'est là où on la voit mourir comme un caca. En pleine cinématique. Mais. Je vais devoir faire usage des flingues. C'est pas possible. C'est bon, c'est fini. Oh, quel raffut. Aïe, 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 aïe. Tiens, d'ailleurs, je vais sauvegarder parce que au moins ce sera ça fait. Après, j'en ai marre. C'était Nash et Christella qui venaient s'équiper en douce. Passe sa vie dans des trous, en fait. Oh, Erika! Bonjour Erika, comment vas-tu? Il y a quoi? Sans déconner, il y a une semaine ou deux, j'avais parlé de toi en me disant « Mais qu'est-ce que tu deviens? On n'a plus de nouvelles de toi, on s'inquiétait. » Ah, oh, je suis content que tu te manifestes en signe de vie, Erika. Comment vas-tu? Ah, oh, ça fait trop plaisir de te voir. Poupon dit « Alain Bougain-Dubourg n'approuve pas cette scène. » Ah, oh, c'est les chauves-souris encore, c'est pas les oiseaux en soi. Mais c'est vrai, c'est vrai. Aïe, 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 aïe. Bah, je voulais choper la corde, moi. Je voulais pas choper le rebord. Ça, ça me sert à rien. Je peux recharger la partie, là. Je me suis viandé bêtement. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça va. Bon, c'est cool. Nous, ça va dans l'ensemble, Rika. Ouais, tranquille, peinard. Pépouze. Alors, si on peut parler sujet léger, météo, de comment ça va, c'est... moi, en Lorraine, normalement, j'ai la région... dans la région la plus froide de France, quand c'est l'hiver. Et là, par exemple, ce matin, j'avais moins 13 chez moi. Moins 13 degrés Celsius. Je sais pas combien t'as en... J'allais dire en Pologne. N'importe quoi. À Québec. Erika. Oh la vache, je crois deviner qu'il faille tirer sur les cloches pour déclencher un truc. Merde, l'indication du 4 est cachée. Alors ça, ça vaut 1. Le croissant de lune, ça vaut 2. Et... Alors pour ceux qui jouent à Minecraft, ils vont comprendre. Moi, je dis que le 1, ça correspond à un rail déclencheur dans Minecraft. La lune, c'est 2. Et un je sais pas quoi péter, c'est le 3. Ah, comment on fait pour demander à Lara de tirer dans les cloches? Non, il faut que j'aille en face. Ah, ah, les petits farceurs! Ah, il faut voir que tu te balances, Lara. Je sais plus comment on fait. Comment on fait pour qu'elle se balance, la miss? Je ne sais plus. Non, là, elle monte et elle descend. Rotation. Ah, c'est comme ça, je crois. Non? Oh, j'ai retrouvé la touche. Nul. Il me faut toujours un temps d'adaptation pour le coup de la corde, si j'y arrive pas. Alors, ça va, oui. Je l'ai, Poupon. Alors, Erika nous dit, me suis gâté la semaine dernière, me suis acheté des haut-parleurs Focal Chorus Made in France. Bien, tu vis maintenant dans le son. Le français est une petite chose fragile par rapport aux cousins québécois. Oui, tu regrettes pas. Bah oui, en plus, j'ai eu une réduction de 600$. J'ai acheté les démos. Oh la classe! C'est bien que tu puisses te faire plaisir, Erika. Ça fait plaisir à lire, c'est bien. Le son est profond et riche, j'adore cette marque. Ah! Ok. Chorus, Made in France. J'ai jamais... Je vous avouerai qu'en sono, j'y connais rien. Enfin, j'y connais rien. Je me suis jamais amusé à faire des comparatifs de marques. Mais c'est bien, bravo. Alors.
Allez, Lara. Et merde, c'est pas comme ça. Je vais retrouver le système de la corde. Alors, pardon, je vais me concentrer un peu sur la corde avant de revenir vers vous au niveau du chat. Mais j'aimerais passer cette épreuve qui, en toute, est pas des plus difficiles. J'ai eu plus complexe par le passé. Mais il faut que je maîtrise vraiment la mécanique de Lara qui se balance. Parce que là, je la fais chuter comme une pierre bêtement. Je crois que je dois me baser sur la position de ses jambes, non? Là, j'ai fait de la mouise parce que je me suis pris trop tard. Je crois. Hop là. Attendez voir. La marque focale est assez réputée, me dit Poupon. D'accord. Nous aussi, on s'en balance. Ah, il n'y a pas un son à dire. Un jeu de mots. Bien, Erika, bien. Là, elle a les jambes en avant. Quand elle a les jambes complètement en avant, il se passe quoi? Je tac. Ah, elle a sauté un peu plus loin, mais c'était pas encore ça. Vous allez voir, je vais passer une heure sur l'épreuve de la corde. Ça va être d'un ridicule et j'en suis navré. Mais... L'entraînement avec les cordes à Lara Croft, naze. Je suis nul, pardon. Je me balance et tu te balances et nous balançons. De toute évidence, tigui digui di. Ah! Je suis perturbé par cet appendice de type corde entre les jambes de Lara. T'as des restes de la partie d'hier soir. On était tellement salaces. On s'est tous pervertis. Aïe aïe aïe. Oui, je précise pour ceux qui n'étaient pas là hier soir chez Poupon, on s'est fait une partie de Minecraft. On était en gros, on était 4. Hein. Il y avait Nashevman, Christella, Poupon et moi-même. En vocal et en jeu. Et, on a fait les foufous comme d'hab, quoi, en fait. Mais oh, c'est pas possible, mais je suis naze. En même temps. Est-ce bien? Oui, non, je vois pas où est-ce que je pourrais aller ailleurs avec la corde. Mais je peux pas faire sonner les cloches comme ça. Ce n'est pas possible. Ah, il faut peut-être... Ah, là on voit le 4. C'est l'espèce d'éclair. Oups, j'ai cru que j'allais louper la corde. Attendez, je vérifie à deux fois, mais... Oui, j'ai aucun intérêt à aller là, moi. Non, non, il faut que je me pose en face. Mais il faut que je réalise un saut de fou. Attends, quand je saute avec Lara, c'est alt. J'ai peut-être omis le fait. Mais oui, c'est pour ça que ça marche pas, mon truc. Voilà, je crois que ça va aller mieux. Je suis peut-être condamné à appuyer sur la touche chaud quand elle se balance, la miss. Attendez voir. Je prends vraiment beaucoup d'élan, là, je veux être sûr. Et là... Hop là! Voilà! Oh! Ça semble si simple, désormais. Aïe, 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 aïe. Nul, le mec, nul. Alors, je vais essayer de reviser et les cloches et tout le bordel. Encore que, j'ai un truc de visée qui s'appelle l'arbalète.
Autant que je m'en équipe. Ah merde, c'est les explosifs. Un peu violent les explosifs quand même. On va peut-être prendre des normales, histoire de pas gâcher la marchandise. Je peux t'envoyer un lien? Oui, oui, vas-y Erika, vas-y. En même temps, je te dis vas-y, mais je sais même plus si on peut déposer des liens dans mon chat. Honnêtement, je sais plus. Au pire, tu sais, tu me l'envoies un message privé. Et là, il n'y aura pas de souci. Que ce soit Twitch ou Discord, vas-y Erika. Oui, apparemment, ça passe. Enfin, moi, dans mon retour de chat, je le vois. Le focal... Ok, merci pour la référence. Ok, c'est ce que t'as acheté. Merci, Erika. Alors... Des cloches! On va faire sonner des cloches. La messe est dite. Ah non. Les cloches ont songé. Aujourd'hui, elles sont électriques. Enfin, électroniques. Oh mon dieu. Nope. J'aimerais que la... Voilà. Ah, je tire trop par rapport aux cloches. Non, non, mais attends. Non, mais attendez, attendez, attendez. Binoculars, là. Les paires de jumelles, il me les faut parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'on... Ah, qu'on peut escalader. Non, peut-être pas. Non, non. Mais c'est bizarre qu'il y ait un creux, là. Bizarre. J'ai peut-être loupé un truc précédemment. Je vais sauvegarder là où je suis, une fois de plus. J'ai toujours ça de fait. Merde, non, les... Non, mais les jumelles, mince. Je m'en sépare comment? Oh! Oh, je savais même pas que je pouvais faire la lumière, dis donc. Et la lumière fut. Oh, elles sont vachement bien, ces jumelles. C'est à la toute fin du jeu que je découvre toutes les options qui sont vachement bien. Ah, oh, bah, ça donne envie. Ah, oh, bah, merde, si j'avais fait ça dans les recoins sombres des temples égyptiens... Ah, oh, bah, si j'avais su... On aurait passé encore plus de temps à faire du contemplatif, c'est moi qui vous le dis. Parce que les décors sont magnifiques. Faut dire ce qu'il y a, ils ont super bien bossé. Alors je sais plus où est-ce que j'avais eu l'info récemment, mais bah, je crois que c'est en cherchant les cinématiques. Ils ont mis 20 mois pour faire cet opus-là, à concevoir. 20 mois de boulot à je sais pas combien. Magnifique, un chef-d'œuvre ce Tomb Raider 4. Bon, on a les codes. Je suis sûr qu'il faille faire sonner les cloches. Mais comment les projectiles peuvent atteindre le... Parce que... Non, bah non, pas au lance-grenade. Alors j'ai quoi? J'ai des fléchettes... enfin des fléchettes. Des flèches normales, au poison et à l'explosif. Quand même pas que j'ai l'explosif, si. Oh la folie, toi. Non. Elle est inerte, elle fait même pas dans une... J'essaye encore... Ça rappelle la... Je vais recharger, hein. Au moins je vais faire économie de, hein, de précieuses ressources. Ça rappelle Tomb Raider 2, le temple tibétain. J'ai même pas vérifié si ma webcam était bien cadrée avant de lancer. Il disait quoi le signal sur ma tablette? Est-ce qu'on voyait bien ma tronche? Ah, je suis peut-être un peu trop haut. Un petit peu. Voilà. Ça rappelle le temple tibétain donc dans Tomb Raider 2. C'était vachement bien. Il fallait tirer sur les cloches pour déclencher des mécanismes. C'était bien. Ça me rappelle des bons souvenirs. Non, ça se pète aussi ça. Non, mais non, c'est ça fait partie de l'édifice. Mince.
Ah, elle peut peut-être y aller, Lara, non? Attends, 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 attends. C'est pas toute s'exciter sur le truc, mais... Non, ridicule. Ridiculous. Alors, attends. Je reste persuadé que j'ai quelque chose à faire ici. Ou alors c'est juste voir les signes, les indices, alors que je pouvais les voir d'un autre point. Mais bon. Je pense qu'il y a un truc à faire avec les cloches. Quand même bizarre. Bon, alors du coup je redescends tout doux. Ça va, elle se pète pas une jambe, tranquille. Et comment fait-elle? Ce n'est pas humain. Alors, est-ce que j'ai pas loupé un passage? Non. Ah non! Mais non, mais... Oh, il y a un déclencheur qui fait que systématiquement, je me fais attaquer par... Mais barrez-vous, j'en ai marre. Parce qu'il bouffe de la vie, hein. Il vous grignote de la vie, c'est une horreur. Je peux pas rejoindre les... Ah non, je peux pas. Non, je peux pas. Bon. Vérifions que en bas j'ai bien exploré tous les passages, c'est pas sûr. Parce que vu le nombre de... Comment on appelle ça? De voies d'accès que j'ai ouvert. Ah, je me demande si... Mais non, mais je l'avais ouvert ce levier, non? Mais oui, je l'avais ouvert. Oh là 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 là, je me redéclenche les bestioles. Et voilà. Elle est morte, la malheureuse. Il est moult, il est moult. Oubla, je suis arrivé un peu vite. Alors, il y avait des inscriptions sur... Ah! Alors, 1, 4, quelque chose de... Ah! C'est un ordre pour les leviers de... Oh, les salopards! En fait, les combinaisons sont dissimulées sur les sépultures, ça y est. Je viens de comprendre. A plus Ah oui, tu vas rentrer du bois, Poupon. Ouais, bah oui, oui, oui. Les deux félins de salon. Ouais, bisous tout plein, bonne manœuvre. Bon week-end, et puis à plus tard, Poupon. Bisous tout plein. Faudra que je fasse ta pub. T'es encore généreux, tu avais dit hier que tu vas offrir pour le nouvel an un autre ordinateur, juste la tour. Mais je te referai ta promotion, Poupon, quand il y aura plus de monde sur mon antenne. Qu'on puisse faire la fête à tes côtés. Ibé. Mais merci tout plein. Bon week-end, Poupon, à plus. Alors, combinaison des sépultures. Donc, nous avons... 1, 4, quelque chose de... Dakodak. 1, 4, quelque chose de... Alors, déjà, il faut que je réinitialise tout le schmilblick, puisque j'ai bêtement fait 1, 2, 3, 4 sans qu'il y ait le moindre intérêt à le faire. Le 4, il faut passer par là. Il faut passer par là. Allez, Lara. Allez, Lara. À partir de cette plateforme, on peut déjà bien lire les codes. Mais oui, on les voit très bien d'ici. Pas besoin d'aller en face. C'est peut-être qu'en face, il se passera un truc plus tard. Alors, hein, je retiens 1, 2, 1, 3, 4. Ok. Donc,
Attends, comment on le lit du coup? C'est le... Mais non, que je suis bête. Par rapport à la lecture et de la lune, ça se lit comme ça en fait. Donc, c'est 2, quelque chose, 4 et 1. Oh la vache. 2, quelque chose, 4 et 1. Alors, s'ils reprennent jamais le même nombre, je serais tenté de dire que c'est 2, 3, 4, 1. On va faire 2, 3, 4, 1. Alors, essayons. 2, 3, on va aller faire le 4, avant de revenir faire le 1. Allez Lara, allez Lara. Et le 1, il est là. Et la magie du démon. Non. Il s'est rien passé. Oh, c'est pas ça. Bon, bah on va les remettre dans l'ordre. Enfin, on va les réinitialiser, en fait. Faut qu'ils soient vers le haut. Alors, je vais les réinitialiser, puis quand je suis en haut sur la plateforme du 4, je sauvegarde, parce que ça va être chiant de faire plein de tentatives et de au lieu de me coltiner la... Le fait de... Merde, je suis bien comme il faut. Le fait de faire la gymnastique, de descendre, de remonter, le fait de juste me contenter d'un jeu de chargement sauvegarde, ça va me faire gagner du temps, à moi et à vous aussi, parce que... En plus, je suis pas à l'abri de me louper quand je fais l'escalade dans ce genre d'endroit. Donc là, hop, c'est bon, c'est la sauvegarde qu'il fallait faire. Donc, je recommence. Je disais que c'était 2 quelque chose, 4-1. 2 quelque chose, 4-1. Et c'était pas le 3. Hmm. 2. Mais c'est forcément 3. Puisque je peux pas remanipuler. Ça y est. Je commence déjà à avoir le doute qui s'immisce dans mon esprit. Par rapport à l'énigme. L'énigme! Vu le. La lune. Le croissant de lune, c'est comme ça que ça se lit. Eh oui, le Ziggy-Gui de... Merde. Hmm. Ah, et là, c'est inversé, en fait. Donc, ce serait 3 quelque chose et 1. Ce serait 3, 2, 4, 1 ou 3, 4, 1, 2 pour l'autre. Essayons. J'ai envie d'essayer le 3, 4, 1, 2. 3. Là. Ça correspondrait à... Attends. 3, 4, 1, 2. Mais non. J'ai confondu le 1 et le... Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai confondu le 1 et le 2. On recommence. Vous savez quoi? Je vais me le noter sur le papier. Au moins, ça m'évitera de m'exposer le cerveau bêtement. Et faire n'importe quoi. Alors, le papier, je l'ai éventuellement. Le crayon, je crois moins. Encore que... Si, j'ai un gros crayon feutre. Mais je vais m'en contenter. Voilà, là j'ai un ticket de
de notes de frais, ticket de caisse en fait, quand je suis allé me faire des petites courses cette semaine. Le Verseau qui est vierge va servir de prise de notes. Alors, allons-y. Attendez. Merde, comment je fais pour faire une observation là? Mon cerveau, mon délicieux cerveau. Comment j'ai fait pour regarder instinctivement? Je fais n'importe quoi. Je fais... Ah oui, c'est la touche 0 du... D'accord. On va y arriver. Jusqu'où la tête de gauche à droite comme poupon. Alors... Bon. Donc, on est d'accord. Ça... Quick, c'est égal à 1. Le croissant de lune, on avait dit que c'était 2. Le machin croissant de lune, c'est égal à 2. Et enfin, vous allez voir mes gribouillis, je vais fièrement les exhiber, vous allez rire. Ça, pom, 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 c'est égal à 3. Et enfin, le 4, c'est le simple éclair, comme ça. Voilà, mes gribouillis, ça donne ça. You. Donc, si je m'en réfère aux sépultures en contrebas, nous avons donc 2 quelque chose, 4-1. Nous avons un 2, point d'interrogation, 4-1. Et la seconde sépulture nous dit, si je la lis dans le bon sens, 3 quelque chose, 1. 3 quelque chose, 1. Les deux se terminent par 1. Ah oui. Ah, c'est le Da Vinci Code. Faisons le test. Et je me dis que la combinaison, c'est forcément un chiffre qu'on n'a pas utilisé quand il y a un point d'interrogation. Sinon, il n'y a pas de sens puisque les leviers sont binaires. Je serais très surpris qu'il faille remanipuler un... Enfin, je trouverais ça faux. Bon. Au pire, on finira bien par y arriver si je suis en situation d'échec. Je ferai moult combinaisons. Je finirai bien par déclencher un truc. Alors que je... Aïe, 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 aïe. Je me fais mal à la circulation sanguine. Ah, j'aurais pas dû mettre mes jambes comme ça sur le siège. Là, j'ai bobo à la cheville. Je me suis écrasé la cheville. Alors, 2 quelque chose, 4, 1. Donc, j'ai envie de dire 2, 3, 4, 1. Je l'avais déjà fait, non? Attendez. 2. 3. Non, là je suis trop loin. Voilà, merci. Allez Lara, allez Lara. 4. Et enfin le 1. Le numéro 1. Mais il ne se passe rien. Pourquoi? Pourquoi il ne se passe rien? Tagadat, soin, soin. Ou alors, il faut compléter la procédure avec quelque chose, une cinquième action, si je puis dire. Mais laquelle? Sonner les cloches? Non. Trop bizarre. Alors, on va recommencer. J'ai le droit à 3, 4, 2, 1 ou 3, 2, 4, 1. 4, 1. Je prononce bien parce que là, j'ai... Sans le vouloir, j'ai dit un vilain mot. Ah bout. Allez, on va faire le 4 d'abord.
Je vais essayer 3, 4, 2, 1, 0. Non. N'importe quoi. Hop. Voilà, 2 et 1. Ouais, et le 1. C'est bizarre. Ah, mais oui, ça correspondrait au truc qui est en dessous de... Ce qui veut dire qu'il faudra que je réinitialise les... Attendez. Mais oui, mais il faut que je réinitialise ça aussi, du coup. Et ça, elle n'y touche plus, je pense. Alors, celui que j'ai inauguré qui était pété, là, que j'ai inauguré, donc je sors à l'instant, qui est à la barre à mine, c'est celui qui démarre avec le 3. Donc j'ai tout à gagner à quelque chose si je fais le 2, 3, 4, 1. Attendez voir. Je vais réinitialiser le truc. Et d'accord. Ça expliquerait pourquoi il s'est rien passé. Ok. Je réinitialise complètement les mécanismes. Bien vu. C'est d'une logique implacable. Alors, re-sauvegarde, hein, l'énième, je vais vous en faire 650 millions des sauvegardes. Donc là, il faut que... Et ce sera celui-là, ouais. Donc, la procédure veut que je fasse 2, 3... Merde. Le 4. Puis le 1. Et là, la dernière manivelle, la cinquième en fait, qui est sous la sépulture... qui correspond au code que je viens d'exécuter. Donc là, quand je vais baisser la manette, il devrait se passer un truc. Ah oui, là, il y a un truc qui a bougé. Mais elles vont me buter, les bestioles. Quelle horreur! Il vient de se passer un truc, mais quoi? Prenons de la hauteur et observons. Oh merde, mais barrez-vous, saleté d'insectes! Barrez-vous. Il faut que j'aille en face de facto. C'est...
Je suis dubitatif, troublé. J'essaye de... de comprendre. Merde, mais elle a pas sauté. Encore moins sauté. Elle est morte, la malheureuse. Oups. Et là, non, je peux pas faire sonner les cloches. Non. Non. Alors là, je vous avouerai, je ne comprends plus. Faut pas que je m'amuse. Mais non, c'est du textile. Ça va pas retenir la rare. Ah si. Qu'est-ce que... Attendez. Oh mais non, mais... Mais c'est pas la bonne arme. Je l'avais pas vu la première fois, le passage là. Encore une barrière psychologique. La texture, je croyais que c'était du textile, du tissu, en me disant, mais elle va passer au travers, elle va tout déchirer. Et non, c'est de la tôle en dur. Bon, l'aventure va se poursuivre un peu ailleurs. Avec un peu de chance. Je vais comprendre la suite de l'énigme. Des soins pour Miss Croft. Je ne sais plus quoi penser. Merci. Putain, le truc qui m'a quasiment bouffé toute ma vie, faut arrêter. Oh, l'abus. Et là, bah alors. Ah non, j'ai pas le droit. Oh, qu'est-ce qu'il faut aller sauter de toi en toi. Oh là 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 là. Que de mystère. Un mystère pour en chasser un... Je vais pas prendre de l'élan, j'ai pas besoin, je pense pas. Hop là, là elle s'agrippe. Eh oui, c'était sûr. Alors monte un peu ma grande. Non, tu veux pas... Ah bon. Oh merde alors. Quoi, il faut que j'aille en dessous du truc? Ça n'a pas de sens. Ah oui, ça n'a pas de sens. Je ne te comprends plus, Lara. Pardon, elle a pas pu prendre son élan. Je l'ai désaxé.
Faut qu'elle aille en face, non? Ah non, elle peut pas prendre son impulsion. Là, c'est trop petit. Trop court. Bah merde alors, quel est l'intérêt de... Faut faire un saut périlleux arrière? Mais non, elle attirera dans rien, là. Là, on voit qu'elle est... Attends, quel est l'intérêt de se retrouver ici? Faut que je saute sur le truc en face? Non. Non, non, pas comme ça. Ah! Faut que j'arrive à lire le... la carte dans la logique du jeu, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Fouet, 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 fouet. Fouet, 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 fouet. Je deviens tout fou, je ne comprends plus. Ah, il y a une corniche. Je crois, hein. Alors, pardon. Rrr, sauvegarde. Attendez voir. Ah, mais j'aurais pu... Mais non, non, j'aurais pu... Bah si, j'aurais pu. Attendez. Oh, Lara Croft, tu vas me rendre ma boule. Lara, tu vas me dire que c'est pas dans le bon sens, vilaine fille. Oh. Allez la rap, allez la... Non, mais non, mais... Va mourir, scarabée de mes deux. Est-ce qu'elle peut... moi je dis elle en est capable. Alors, because Scarabée qui me les a bien brisés, hein, je veux pas revivre la séquence. Merci Lara, t'es la meilleure. Je le savais. Et là, ils vont dire tout ça pour un petit bonus trésor caché. Honnêtement, je progresse petit à petit à l'aveugle. Je sais pas mon jeu de saut périlleux sur les toits. À quoi ça, ça rime? À quoi ça va me... Aïe, 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 aïe. Non, il se passe rien. Non, 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 non. On est d'accord qu'il faut pas que j'aille là quand même. Ça m'intrigue sérieusement. Non. Mais vous êtes sérieux, les gens. Aïe! Non. Oh non. Non. Ah, je suis là où il y a la muerte. Le truc de la mort. Alors... Oui, j'ai envie de faire une chose horrible. Aïe, ouais. Artistiquement, elle a la note 20 sur 20. Mais d'un point de vue pratique, elle est morte. Quelle horreur. Ah mince, je fais des bêtises, tiens. Pour changer. Bon allez, sérieusement, c'est quoi la suite de la... C'est tellement étrange. Je ne comprends pas.
Attendez. Il y a... J'allais dire lunettes de soleil. Pff, pas du tout. Paire de jumelles. Lumière. Oh, j'aime pas ce que je vois. Saleté de cochonnerie de saleté. Alors. Ils sont excités par la lumière. Qu'est-ce que... Mais c'est un véhicule militaire. Mais c'est quoi ça? Faut que je le vise? Je trouve que ça se distingue vachement. Faut que j'explose le... Que signifie... Tant d'énigmes et de mystères. Et des mystères... Ça. Non? De toute façon, vu la configuration, on peut pas faire le son. Non, ça rimerait à rien. Quel est mon intérêt d'être là, honnêtement? Je comprends pas. J'ai rien à escalader. Non. Non, non, non. Je piche pas. Je piche pas. Je vais... Voilà, pas gâcher mes munitions, vous l'aurez compris. Je vais refaire de l'observation, parce que là, je... Mort, 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 mort. Le petit symbole de mort, ok. Ah bah oui, elle peut même pas descendre en fait. C'est ça qui est cruel. Alors la porte de la citadelle, je sens qu'on va y rester un moment. Honnêtement, si je fais pas d'avancée significative d'ici 11 heures, d'ici 20 minutes, je bascule sur Gran Turismo 3, m'en fous. Parce que je serai pas dans le coup au niveau de Tomb Raider. La 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 la. Pardon. Non, j'aurais aucun intérêt non plus à escalader là. Oh, il y a cette chauve-souris qui... Elle est où la vilaine? Ça qui est dingue. Le fait que je sois au perché, je veux bien, mais... Non, je pense que je suis à un endroit où dans l'immédiat je peux rien faire. Il faut que je transforme la scène, je sais pas comment. Peut-être avec les 10 mécanismes en question. Pour... Oh bah merde. Du coup elle s'est fait mal. Donc je vais recharger. Oui bah oui, je reviens au niveau du précipice.
Parce que quand je suis perché là-haut, ce serait quoi mon avantage? Non, je pourrais même pas sauter. Aïe! Non, c'est bizarre. Hein. Ah, c'est marrant! La première fois que la caméra suit Lara dans la chute mortelle. Mais oui, de toute façon, je peux pas. Je pourrais pas faire un truc du genre là, si. Ah si! Ah merde! Ah si! D'accord! Ah, puis il y a du matos à récupérer. C'est couille. Ah bah alors j'aurais pas cru! Décidément, les barrières psychologiques que j'arrive à me mettre au niveau des performances de Lara, à mon grand tort, elle est vraiment très forte, Lara. Elle est très très forte. Je me disais, elle est pas capable. Merde, bah j'ai merdé mon saut. Mazette! Ok. Oh non! La pauvre. Quick. Oh, pas évident ce niveau. Je crois que je me suis vraiment fait mal, genou et cheville là, avec pas bien moi. Je suis confortablement installé chez moi et je trouve le moyen de me péter. Oui, attends, la santé de Lara est déjà qu'à la moitié. Oh. Je trouve que j'ai un débit trop élevé de trousse de soins. Ça va mal se finir, mon histoire. Voilà, là, elle s'est bien défendue. Alors... Et en fait... C'est quoi cette bouteille de lait? Avec Lara Croft. Voilà. Bonjour Christella. Oui, à moins 14 degrés. Oh bah, moins de 14 degrés Celsius. On est repassé au-dessus des moins 10 degrés Celsius à l'heure qu'il est, je pense. Mais il est vrai qu'il y a... Au moment de lancer mon direct, vers les 9h15, Météo France m'annonçait moins 11 degrés Celsius, effectivement, dans ma région. Eh oui, le bon froid hivernal, endurant, continental de Lorraine. Mais ça va bien, merci. J'espère que toi aussi, que t'as passé une bonne nuit. Il y a Popon qui est passé tout à l'heure. Alors lui, va bien, l'exception que malheureusement, il a mal là où il a eu son injection de rappel de vaccin, quoi. Donc, par ça, il allait bien, c'est ça qui est cool. Évidemment, tout le monde va bien. Là, j'avais Erika qui était venue faire coucou, je sais pas si elle est encore là. Mais Erika qui va bien, ouais. Et qui s'est fait plaisir. Ah, mais c'est ça le nitrocide d'azote, c'est pour doper la moto. C'est les militaires, le sidecar qui... Bah, le v'là, en fait. C'est à ce moment-là qu'on a besoin de nitro. Ah... Il faudrait que je rejoigne mon sac car du coup. Oui, il y a une explosion. Oh la vache, le véhicule militaire s'est retourné, s'est retrouvé ici. Par rapport au grabuge qu'il y a en dessous. Ah, peut-être que le dragon de la malédiction de 7, le dragon est venu du sol par ici en fait. Ou autre chose est sorti de terre. Ah. Ça fait partie des malédictions de l'Égypte. Et comment je fais pour ne pas tomber dans le vide, moi, maintenant? Parce que c'est une horreur, là, comme saut à faire. Elle va mourir. Ah non. Oh, quel athlète. Donc, ma théorie était fausse.
de vouloir transformer l'endroit et y revenir. En fait, c'était bien ce moment-là qu'il fallait que je me présente à cet endroit pour accéder au... Alors, l'énigme du clocher, j'y reviendrai plus tard. Oh. Qu'à de le dire, ça a plaidé d'Égypte, c'en est une. Hein. Mais elle va mourir, Lara! Bouffée par les insectes, quelle horreur! Ouch! Le dragon l'a allumé. Oh! Violence! Violence sur pilleuse de tombe. Oula! Ouhouhou! Rattraper une extremis. Ouhouhou! On n'a rien vu. La 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 la. Mais du coup, qu'est-ce que c'est là, toi, ça va bien? Dans ta région, tu dois avoir à peine moins 2, moins 3, non? Ce matin, je me trompe. Ouch. Il est où mon sac de cartes dans cette histoire? Oula! Ouh, elle a eu chaud, on peut le dire. Le sac de cartes était... Le mec est mal en point. Mais donc je rappelle que j'ai téléchargé les cinématiques en français. Et mon souci c'est de préparer la liste de lecture dans le bon ordre. Donc je pense que je pour le moment je peux rien faire de plus dans cette zone. Et comme j'ai le... Ah oui, c'était avec le Minotaure. Oh non, il est revenu, je l'entends. Hein? Déconne pas. Je peux pas revenir? Bah, mais si, je peux revenir. Par là. Ah! Oh! Va falloir que je me retape le Minotaure, parce que... Oh, il est là. Parce que je vais remettre la main sur mon sidecar, moi. Ou alors, le fait d'avoir la nitro, je vais pouvoir rejoindre le même secteur, mais avec le... Eh oh, reste où t'es, hein, le Minotaure. Hein. C'est fini entre nous. Alors, attendez. Là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Comment ça, no? Lara, s'il te plaît, un peu de mécanique, je t'en supplie. No. Comment ça, no? Il n'y a pas de no qui tienne. No. Mais Lara, tu peux pas faire un peu de mécanique? T'es pas apte à faire de no. de la mécanique? Ça me surprend de ta part. Non. Vraiment? Non. Oh. Faudrait qu'elle s'adresse à quelqu'un? Mais qui? Qui pourrait m'installer la nitro dans le patelin? Oui, il faudrait que j'essaie d'aller par là, mais il me manque la nitro. Comment me l'installer? Ouch. Faut que je remonte à fond en arrière dans toute la ville. Youhou, y a-t-il un mécano? Alors, ce qui est émouvant, c'est que du coup ça me rappelle des souvenirs de revenir dans les niveaux précédents. C'est pas désagréable en soi. Ouh, le mécano égyptien, il est où ici? La ville est grande, on s'y perd. Oh oh. Ouch. Ah non, 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 non.
Très mauvais choix. Oui, ça va, c'est encore gelé, température 0,1. Ah oui, c'est là où t'es bien content d'être chez toi. Ah, Aeroster, bonjour. J'espère que tu vas bien. Waouh, alors que je fais des bêtises avec le sidecar. Mais qui c'est qui pourrait aider Lara Croft à équiper son sidecar de nitroxyde d'azote? Maintenant que je suis en position de la bouteille, il n'y a plus personne en ville. Ça a été un tel carnage qu'il n'y a plus de survivants. C'est ça qui est horrible. Comment puis-je faire? Oh non, je vois pas comment je peux m'en sortir. Oula. Malheureuse, tu es en bien vilaine posture. Bon. Allez. Oh, cette folie. Cette folie routière. Merde, mais je suis revenu à mon point de départ. C'est honteux. Ouais, bien. Oui, bah nous, ça va. Merci, héros. Fraîchement. Il y a Christella qui m'a notifié avant que tu arrives le fait que j'ai un moins 14 degrés Celsius dans ma région, Lorraine. C'est le bon froid lorrain qui conserve. Mais là, au moment où on se parle, je regarde pas, mais je suis quasiment certain que je suis repassé à moins 8, moins 7. Ça a dû se réchauffer avec l'arrivée du soleil. Alors là, je me sens imbécile parce que... Comment j'étais sorti d'ici avec le sac carne? Attendez, je fais des bêtises. Ce bruit de collision à répétition. Ah si, c'est plus simple que ça. Je vais chercher midi à 14h en fait. Je cherche les complications. Je suis en train de me rappeler de la conception du niveau. Ça va mal se finir, mes péripéties hasardeuses. Non, Lara. Ah oui, c'est vrai, elle peut reculer. Merci. Ça va très mal se finir. Malheureuse, où t'es-tu aventurée? Boum. Non, ouch. Mais je comprends que ça fasse mal. Allez, on y croit. Allez, Lara. Allez, Lara. Toi aussi, apprends à piloter avec Lara Croft. Allez, Lara. C'est là que ça se passe la sortie, en fait. Voilà. Mais oui, c'est la route. Ah, suis-je bête. J'étais sur la route toute la sainte journée. J'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route. Alors, je veux un mécanicien, moi. Il y a le Minotaure qui m'en veut et qui veut me casser la figure. Ouch. Ah bah non, je suis bête. Faut que je passe avec un saut. Je sais pas comment tu... Le sidecar, j'ai un mal de chien là, le manœuvrer. Attendez, sérieusement. Allez Lara. Non, je voulais une prise d'élan. Oh, le miracle. Je vous ai fait un truc façon Matrix. Mais sérieusement, il est où le mécano qui va m'aider? Ah, je suis pas allé par là. Il y a peut-être un mécano par ici. Je me souviens, j'ai fait cette partie de la ville.
Je ne me souviens plus du tout de l'endroit. Attendez, on va s'arrêter, on va visiter. Je ne me souviens pas du tout de cette partie de la ville. Je l'ai pas fait, ça. C'est l'éclairage qui me perturbe. Le fait qu'il y ait des luminaires, là, des lampadaires. Ah oui. Qui c'est qui m'a tiré dessus? Il est en hauteur, le gars. Salopard. Un mercenaire. Où était-il? Oh. L'aventure continue. Salopard, il est là. Va mourir! Non, il est pas mort, il est en train de trucider Lara. Salopard! Ah, il n'est plus. Ville Gredin, je l'ai eu. Intéressant. J'ai complètement occulté ce niveau en fait. C'est un niveau entier. Et mais c'est pas vrai. Ils sont combien eux? Encore? Oh, je vais passer au fusil à pompe. Oh là 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 là. Allez, va mourir. Aïe 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 aïe. C'est pas possible, cette légion. Ouh, va y avoir du sport. Mais moi, je reste tranquille. Il va y avoir du sport. La gymnastique qui se dessine devant nous. Vous l'aurez deviné, vous aussi. Popo, popo, popo. On va encore mettre à rude épreuve les capacités athlétiques de Miss Croft. Et d'ailleurs, j'ignore par où commencer. Je suis en train d'ailleurs de me dire que je suis pas au bon endroit. Et je sais qu'à l'autre bout de la ville, il y a une énigme qui m'attend en plus. Que j'ai pas encore comprise, qui date de ce matin. Waouh, ce Tomb Raider, Mazette, il est vraiment relevé. Hein. Au niveau de l'intrigue, des énigmes, de la beauté des décors, on s'y perd dans la grandeur des niveaux. Je le découvre complètement avec vous, je suis proche très honnêtement d'être bouche bée. Impressionnant. Les tranchées, ok. Non, nous ne sommes pas à Verdun. Mais, waouh. Oh, du matos. Bah, Lara. Oh, t'es un pas de l'objet. Merci de quand même faire l'effort de te baisser, ma grande. Je veux m'engouffrer dans ce passage. Qu'est-ce que... Ces mots, j'entendais pas. Non, c'est les pas de Lara sur le sable. Ça, c'est une sortie. C'est une sortie. Waouh. Oh, c'est pas vrai. Oh, m'a fait peur. Il m'a foutu les jetons, lui. Oui, j'allais dire, ça présente comme une cathédrale. Sauf qu'on est dans un pays majoritairement de confession musulmane. Donc, mosquée, je présume, je viens de me faire allumer. Non. Ah oui, non, mais là, c'est la mort.
Je peux pas lutter là, même avec les trucs explosifs, il y a pas de baril. Ah, oh, c'est pas vrai. Il y a quelque chose en face, mais elle va mourir. Le temps de l'atteindre. Qu'est-ce que... Ah, d'accord. Ouais, en fait, il te le donne pour te le reprendre, j'ai envie de dire, le cadeau. Ça veut dire, vas-y au forcing, passe devant la mitrailleuse pour aller au-delà, mais... Ah! Oh! Ce sadisme! J'aurais jamais cru. C'est horrible! Elle a fini rôtie. Ce sadisme! Je suis choqué. Bon, le loustique de... C'était où déjà? Je sais plus. Merde, je suis perdu! C'est grand l'Egypte. Merde, mais je suis passé par où moi? Non, je suis pas dans le bon sens. Ah, mince. Allez, Lara. Alors, toi, Lara, t'as la foi, et moi, j'ai les foies. Ça résume assez bien la situation. Parce que je ne sais pas quoi... C'est tellement grand. Ah oui, j'avais dit que je m'engouffrais par... J'ai tellement d'endroits où aller. C'est la folie. Voilà, petit passage de sable. Et j'ai le comité d'accueil là. Il est là, le stick. Mais... Encore un tir à côté, j'allais lui chanter. Vous, vous êtes une femme Barbara Gourde. Excusez-moi du peu, mais... On se serait cru dans les films comiques. Ah non, elle va mourir, là. Oups. Donc, ça voudrait dire que je ne peux pas passer à ce point. Ou alors... Ça s'escalade? Non. C'est trop lisse, elle peut pas. Merde. Merdoum. Oh la violence. Non mais là, elle est morte quoi. Et voilà. La malheureuse, elle est moulue. Oh la saleté, la tourelle. Oh. Oh. Attends. Non. Non, c'est impossible en fait, j'ai envie de dire. Oh mais non! Incroyable! 360 degrés la tourelle! Je pensais que le mécanisme allait se bloquer en rotation, mais pas du tout! Oh là 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 là, c'est du matos militaire, là, il n'y a pas de doute, hein. C'est pas de la camelote sur alibibi.com. Je suis exprès de déformer le nom pour pas avoir de problème. Mais vous avez reconnu le site! C'est pas de la camelote. Quoi que je vous avouerai, j'ai jamais commandé chez eux, du moins je m'en souviens pas. Oh, la violence! Mais pourquoi cet endroit m'est-il interdit? Pourquoi un endroit... Oh, comment je me suis fait lécher par les flammes de l'enfer! Pourquoi l'endroit est-il
d'interdit. Non mais même la malheureuse elle est bleue là. Oh la saleté, incroyable. C'est quand je suis là. Ah bon? Mais non, c'est toujours aussi abrupt. Ah oui, ma grande, tu peux pas... T'es condamnée à te casser la figure, malheureusement, ma pauvre. Alors là, je piche pas. Pourquoi? Bon, je vais pas m'acharner au niveau de ce secteur. Je vais passer mon chemin. De toute façon, j'ai encore pas mal de... Je pense que j'ai au moins une ruelle qui m'est encore inconnue. Mais... étrange. Vraiment étrange. Oh, bonjour Fanfan. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Bon, c'est cool. Ça fait plaisir à lire. Tu sauras, Fanfan, on a eu des nouvelles d'Erika. Tu sais, je me posais la question, qu'est-ce qu'elle devenait? On n'avait plus de nouvelles d'elle. Elle s'est manifestée à nous tout à l'heure, là. Elle va bien. Elle s'est fait plaisir, elle s'était acheté de la bonne sono, un bon jeu d'enceinte et fille, là. Mince, j'ai plus de café. Oh, à un moment, je vais faire une pause et je vais aller me chercher du café. Oh, bonjour, Nayone. J'espère que tu vas bien, toi aussi. Je suis en manque de coffee, là. Je veux ma drogue. Caféine. Est-ce que j'ai tout ramassé ici? Non, je fais visiblement... Ah non, à moins que ce soit la texture. Ah, je me suis fait gruger par la texture. J'ai cru que c'était un jeu de cartouches d'Uzi ou je sais pas quoi. Là, par contre, c'est bien réel. Voilà. Mince. Mince, mince, mince. Qu'est-ce qui m'a échappé? Tant de mystères. Non. Sérieux? Qu'est-ce qu'elle a ouvert? Qu'est-ce qu'elle a trouvé là? Non, sans s'opposer peut-être. Oui, voilà qui est mieux. Pourquoi tu... Oh, il faut que tu t'accroupisses simultanément. Fichtre. Elle va encore avoir bobo aux genoux. Elle va avoir les genoux écaillés. Va falloir faire de la bobologie, mademoiselle. Burp. Oh. Oh. J'ai gagné des flèches. Oh, yop, cousin. Ah, ouh, si tu te manifestes à moi qu'à 11h, ça veut dire que t'as eu du peuple. T'as été harcelé, là, depuis 2h. Pardon. Alors que je continue les aventures folles de Lara. Mais quel est cet endroit? De voir un palmier là, c'est quoi? Je suis dans une pépinière. Ouh là là! Ouh là là! Reste accroché, ma grande. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Oh, ne me dis pas que ça, il fallait le péter avant au flingue pour.
Je la sens pas, celle-là. Je la sens pas du tout. Dis-moi que je peux viser avec la... Dis-moi que tu peux, Lara. Non, Lara. Non, quelle horreur. Ça, ce serait un obstacle qu'il faudrait que je dégomme. Non, ça t'oblige à refaire le tour de la ville. Sadisme. Ah, oh, c'est du génie. Du vilain génie, mais du génie. Du génie de la lampe. Ah bah ça va, c'est pas trop loin. Oui, vous me direz, j'ai pas eu un chargement de niveau, donc... on y retourne. Oh, oh. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. J'aime vraiment cette mécanique de jeu. C'est... Ils ont juste fait un remue-ménage chez Eidos et Core Design pour l'élaboration des niveaux. Je rappelle que cet opus, ils ont mis 20 mois à le concevoir. Et vraiment, ils ont, c'est du génie, quoi. Ils ont mis la barre super haute. Et ils font honneur à fond au moteur de jeu. Tout y passe. Les aventures sont haletantes. Enfin, moi j'espère que vous appréciez ce que vous avez à l'écran, ce que je vous offre. Mais moi, en tant que joueur, je vous cache pas, je boude pas mon plaisir. Il y a rien acheté. Il est exigeant, mais punaise. On peut le dire, les niveaux se méritent tellement qu'ils sont sophistiqués. Oh mais regardez-moi ça, cette scène d'action. Ah, oh, j'adore. Et voilà. Et voilà, voilà. Oula, alors là, on va sauvegarder, on va observer. Il faut que j'aille où? Faut que je me suspende? Peut-être bien, oui. Peut-être bien, oui. C'est la sauvegarde. J'étais confus parce que je pensais en même temps à la vie, les trousses de soins. Quoi? J'ai appris grâce à Gouv HD qu'il fallait pas dire yop. Ah, faudra que je regarde la vidéo. Il a supprimé toutes ses vidéos. Vous partez dans un délire que je ne saisis pas ou vous êtes sérieux les garçons? Je ne vous comprends plus. Oh non! Mais quelle horreur! Mais elle va mourir comme un caca, la malheureuse! Oh là là! Oh bah voilà. Attendez, je comprends plus. Oui, cool pour Erika. Je viens de me faire un café. Écoutez, je vais faire pareil. Pardon, je me sens 2 minutes, je suis en manque, il me faut mon café. Je vais faire pareil, je reviens. On va continuer de suivre les aventures de Lara. Mais pardon, mais Funfan et Nayone, je vous comprends pas là, votre histoire, on dit pas yep ou yop, là je sais plus. Bon, quand on repassera ce week-end en vocal, faudra que vous m'expliquiez des trucs les garçons là, parce que... Je ne comprends plus votre propos, je vous le dis en toute honnêteté intellectuelle. Quelle époque. Bref. Bon, 30 secondes. Enfin, 30 secondes. Une minute. Je vais me ravitailler avec ma drogue qui est la caféine. A tout de suite. Oh, puis ça fait du bien de se dégourdir les jambes.
Me revoici. Oh, j'ai fait tomber le cache de la webcam. Mais qu'est-ce que je fais avec ma flanelle, moi? Ça y est, je suis en train de me battre avec... Ah, voilà. Si je mets ça dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Hop là. Message de FunFan 1992, voilà. Gouv est un youtubeur franco-russe qui racontait l'histoire de la Russie l'époque soviétique. Lara. Sentinel et d'aujourd'hui depuis qu'il y a la guerre, que je me reconcentre dans le dans l'histoire. Oh, il y a eu un son de FunFan. Gouv est un youtubeur franco-russe qui racontait l'histoire de la Russie à l'époque soviétique. Boris Yeltsin, blablabla, jusqu'à aujourd'hui, depuis la guerre, ses vidéos ont disparu de YouTube. Oh vache! Merci de l'explication, FunFan. Effectivement, oui, il y a un côté censure. Wow. Ouais, ça... C'est pas rassurant. C'est pas rassurant, mais bon, c'est... Et on en reparlera dimanche quand on fera les vroom camions. Il y a Elon Musk qui a acheté Twitter, qui fait son dictateur aussi. C'est pas sain du tout. Ah oui, merde, j'ai explosé ma webcam. Alors j'espère que je vais pas faire sauter le jeu. Attendez, je vais rectifier la webcam. Oui, c'est parce que je l'ai bousculée, elle a pas aimé. Elle a pas aimé d'ailleurs, je suis en train de me dire... que j'ai un câble qui court, mais qui court mal. Attendez. Voilà. Là, déjà, ça ira mieux. Je vais moins malmener mon matos. On retombe sous OBS. Activer l'aperçu. Oh mon Dieu, vous voyez ma piste d'atterrissage pour mouche comme vous ne l'avez jamais vue. Ah, oh. Vous n'avez rien vu. Magie. Ouh, vous de Dieu, j'avais le crâne vachement reluisant. Ça fait peur, ayez peur. Le chat, mon interface et le jeu. J'espère qu'il... Oui, ça va, il reprend bien. Parce que tout à l'heure, il m'a fait un caca nerveux, il voulait pas que je bascule en plein écran le jeu. Et je me suis fait peur, je me suis dit, merde, je vais pas pouvoir jouer. Il avait expliqué que la boisson Yop est pour un russe était une insulte, donc je tairai le sens sur ce chat. Ah d'accord, je savais pas que la boisson en fait est une insulte pour en russe, en langue russe. Ah bah vous me l'apprenez les garçons. Merci Nayonet. Et merci FunFan. D'accord. Merci. Tout s'explique. Alors... Oh les bestioles vont se pointer quand je vais... C'est ça. Donc j'avance d'une case et... Voilà. Ah, mais c'est horrible ce sadisme de... C'est d'autant plus méchant que le joueur, imaginez, il a pas collectionné les trousses de soins. Il a été maladroit, il a déjà tout dépensé. Il est presque condamné à pas finir le jeu parce qu'il a pas ses trousses de soins. C'est très vilain, je trouve. C'est peut-être un point négatif de l'œuvre. Elle est peut-être un peu trop exigeante, là. Il y a du sadisme de la part des... J'avais déjà eu ce ressentiment précédemment dans cet opus. On avait le sentiment qu'il y avait des... Qu'ils étaient revanchards, les développeurs, en disant « Vous voulez du Lara Croft, on va vous en faire bouffer jusque vous alliez en vomir. » Par saturation. Enfin bon. Allez, go. Allez, Lara. Hein? Oh, ce son. Une chaîne secondaire. Oh. Tiens, il m'a pas agressé ce monsieur. Là, il l'observait en se disant, mais cette fille est folle, elle adore courir contre les murs. Ah.
D'accord. Non mais... Mais elle est où la logique? Faut activer l'intelligence artificielle avant, pas après. Adieu. Burp, burp, burp. Oh, il m'a laissé un héritage. Bip. Étrange. Étrange endroit. Un espace suffisamment grand d'ailleurs pour réceptionner un véhicule qui plus est. Pourquoi cette porte est fermée? Pourquoi? Tell me why. Pam 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 pam. Attends. Ah non, j'ai rêvé. J'ai cru qu'il y avait une corniche, mais non. Non, 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 non. Illusion. Je deviens fou. Attends, quel est l'intérêt de l'endroit? On a le sentiment qu'on peut y recevoir un véhicule. L'éclairage d'ailleurs de ce mur est suspect. Il est étrangement lumineux ce mur. À croire que c'est une porte qui coulisse en fait. Bizarre, bizarre. Bizarre, bizarre. Attends, ça me rend fou. On est d'accord, je peux pas... Attends, ça a l'air plus bas que le reste, ça. Elle peut? Non, elle peut pas. On y aurait cru, hein. On y aurait cru. Ah, tant de mystères. Lara. Marche arrière. Oh, quelle délicate attention de la part de la clientèle. Tu viens de te voir offrir des petits gâteaux de Noël fait maison. Oh là là. Bien joué, cousin. Eh bien, je les mangerai avec mon café, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ça me rappelle des souvenirs, bref, me concernant. En fait, pour tout vous avouer, le souvenir qui me revient en mémoire, c'est une collègue de boulot qui m'avait offert une boîte de chocolat parce que j'étais parvenu à lui restaurer ses photos effacées accidentellement. Sur sa carte mémoire, elle avait fait une fausse manip en manipulant son appareil. Et le problème, c'est qu'elle avait des milliers de photos d'un voyage qu'elle venait de faire en Asie. Donc, je vous dis ça, l'anecdote, elle remonte à il y a plus de 10 ans. Mais... C'était une collègue adorable. Ah là 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 là. C'était une prof d'art plastique, je n'en dirai pas plus. Mais c'est vrai qu'elle était adorable. Ah là là là. Bon. La lumière rouge. Pourquoi c'est fermé? Pourquoi ce sas est fermé? J'aurais pu poursuivre mon périple sur les hauteurs ou semi-hauteurs de la ville si cette porte éclairée en rouge avait été ouverte. Mais comment faire pour l'ouvrir, cette maudite porte? Faut quand même pas que je tire dessus. Hic, pardon. Éclairage. Non. Mince. Je sais plus comment je fais l'éclairage avec la... Ah bah non, c'est à la paire de jumelles, pas au truc de tir. Déjà, le fait que ce soit éclairé en rouge, c'est pas normal.
Oh merde. Évidemment. Je ne pourrais pas... Oula, déjà en plus j'étais décalé dans le... Je ne pourrais pas sauter en face. Ah si. Mais à chaque fois je me laisse surprendre par les capacités de Lara. Je dis mais comment elle fait? Alors je sais pas si c'était souhaité. Mais je suis parvenu à aller là où... J'ai envie de dire à quoi ça m'arrange. Parce qu'une fois que je suis là, je vais où moi? J'aille en face. Ah, j'y comprends plus rien. Je piche plus rien, sans déconner. Énième sauvegarde. Je préfère sauvegarder à part parce que... J'ai un doute. Est-ce qu'elle peut pas s'agripper, mais en étant... Oh là 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 là. Non, le temps qu'elle lève les mains, je suis pas sûr que ça compte comme une plateforme. Du coup, je finis par lui demander de réaliser des choses impossibles en fait. Parce que je vais me faire sauter la limite. Non, elle peut pas. Ah! J'ai un intérêt à être là, j'avais même pas fait gaffe. En faisant une mariole. Mais attends. Caméra, j'aimerais voir s'il y a de la profondeur dans le truc ou pas. J'ai l'impression que oui. Mais non, mais non, mais non, il n'y a rien derrière. Oh. Bon, bah on continue les péripéties en se demandant jusqu'où ça va nous mener. Oui, c'est bien, elle t'aime bien tes clientes. Ouais, c'est bien joué, cousin. Encore une musique. Ah, on va littéralement atteindre les toits de la ville. À force de faire ascension sur ascension. Mais elle peut pas. Merde, j'ai activé les touches rémanentes. Attendez, pause. Mais je croyais que je les avais désactivées, ces trucs à la noix. Ah non, c'est toi qui m'écris. Oh, Dayonet, t'as trouvé le moyen de me déconcentrer, bravo. Ah, n'importe quoi. On y retourne, c'est malin, Dayonet. J'ai cru que c'était les touches rémanentes que j'avais réactivées, moi. Ah, il va falloir faire feu. C'est pour viser, en fait. Avec les instructions en arabe, mais on devine que c'est une voie d'accès. Non, il me l'a pas compté. Oh, faut viser juste. Mais non, mais j'étais dessus. Mais ou alors faut faire péter le truc. Non mais il se paye de ma tête là. On va y aller à l'explosif. Voilà, là c'est activé. Une autre manière d'activer les interrupteurs, je ne comprends plus. Mais... Je deviens fou, là. Merde. Ah, merde, j'étais là, moi. Et ça ouvrirait la porte, mon truc? Bon. Persévérons. Persévérons, mais... Comment... Du coup, je vais sauvegarde.
Oula, en bas, en bas, en bas. Je veux pas viser le mur de près. Ah non, ça va. Faut casser le câble? Non. Hi, c'est où qu'il faut que je frappe? C'est boxant. J'espère qu'il va pas y avoir un bug de collision comme le chevalier. Non, j'ai plus de mun. Quelle horreur! Il faudrait tirer avec un autre. Attendez voir, on va recharger une énième fois. Mais je peux séparer mon viseur, ma lunette de visée, sur un autre flingue. C'est peut-être pas le ça qu'il me faut. Séparer. Avec quoi je peux combiner? Hein? Avec le nitroxyde? Non. Non. Lara Croft devient MacGyver. Elle arrive à faire un truc. Non mais ça m'est vraiment proposé. Ah, c'est pour verser le... Mais non, mais c'est une lunette. C'est pas un tuyau, la lunette. Avec les rayons du soleil, elle veut faire chauffer le nitroxyde d'azote qui va provoquer une explosion, là, ou quoi? Je comprends plus. Bon, équiper le revolver. Oh, stylé! Comment qu'elle a dégainé? Ouais. Comment mettre un peu plus d'animation dans ton direct, tu m'étonnes. Au revolver? Ridicule. Ridicule! C'est pas ça! Ça coûte cher les balles de revolver, remboursées! Non mais c'est moi qui suis un débile fini ou il y a un bug de collision là? J'appuie sur le bouton à ma manière, merde! Je suis pas d'accord! Qu'est-ce que... Mais la configuration des lieux est telle que je suis condamné à faire un tir à la visée. Sinon, ça n'a plus aucun sens. Attends. Je vais me mettre à l'angle. On va se la jouer professionnel. Sous-entendu paire de jumelles. Paire de jumelles qui a la propriété, j'avais oublié, d'éclairer. Ah, il y a un éclairage. Observons mieux. Observons bien. Bah non, je vois pas ce que je peux faire. Qu'est-ce que... Il faudrait vraiment que je trouve moyen d'aller sur place pour à la main appuyer sur le... Et si je... Non? Ça ne m'apprend rien de plus. Bah merde alors. Mais... Ou alors je suis trop proche de la fenêtre de... Et j'ai eu un bug de collision que ça m'étonnerait pas, mais... Faut que je mette proprement au fond. Non, je vois que je touche au loin, mais il se passe rien. C'est pas ça. Alors là, ça me laisse dubitatif. Mince, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors ça, pour un mystère... Est-ce que là... Attends. Oui, mais c'est là où il y avait la...
frappe. Ah, oh, pas du tout. Oh. Alors ça, c'est apprécié. C'est apprécié. Attends, par rapport au lieu, elle est où? Le truc est sur les toits, mais où? Waouh. Et non, elle peut pas. Il faut que j'allume mon cerveau et que je parvienne à me faire une représentation 3D des lieux, là. Attendez, la lumière rouge. Elle venait d'en face, non? Merde. La lumière rouge venait d'en face. J'ai sauté là-bas. Tac, tac, tac. Et par là-bas, j'ai vu un truc sur les toits. Le truc sur les toits est là-bas, par-dessus le sidecar. Le truc est en haut. C'est vrai que je cherche délibérément à aller sur les toits, mais comment ? Tu veux toujours pas faire mes muses avec le nitroxyde d'azote, Lara, par hasard ? Elle va me dire non. Elle refuse de faire de la mécanique. Non. Ouais, bon, bref. Non, ce serait le balcon là. Là, elle peut pas. Non, elle peut pas. Ça glisse. C'est trop lisse. Ah, sacré Lara. Sacré Lara. T'as envie de ces aventures, je te le dis, moi. Comment faire pour se retrouver au niveau des toits? Oh, me revoilà ici. Merdoum. Parce que là, je m'éloigne, et c'est plus le bon secteur, là. C'est quand même bizarre, là où je me suis trouvé avec l'espèce de lieu de tir. Et puis ça aussi, on voit qu'il faut l'escalader, mais comment ? Est-ce que je suis pas en train de visionner la suite de la lumière rouge, là ? La suite du parcours. Là, pour le coup, parcours, on peut l'écrire avec la lettre K. C'est-à-dire l'idée de faire des cabrioles hautement athlétiques sur les hauteurs, de par-dessus les toits, façon Matrix. J'essaie de mettre un peu dans la tête des développeurs, des concepteurs du niveau. Sous-entendu une espèce de forme de reverse engineering, d'ingénierie inversée, et de passer du produit fini vers le patron d'origine de conception. Encore dans d'autres termes, si vous ne l'aurez pas compris, j'essaie de détricoter de tête le comment du pourquoi le niveau est conçu et comment on peut remédier à l'énigme. L'énigme qui est fichtrement bien conçu et me donne du fil à retordre, quelque chose de bien. Oh, j'ai
Puis je me méfie de Tomb Raider où je m'étais déjà fait avoir précédemment. Je ne présentais pas sur la bonne face d'un jeu de cube escaladable. Donc du coup, maintenant, je néglige plus la moindre face de texture qui pourrait suggérer qu'elle soit en capacité, pardon, d'escalader. C'est beau, ce décor, ces textures. C'est un régal pour les yeux. Oh, allez, on y retourne. On aime ça. Alors, comment tuer un interrupteur par le sage? Bah oui, tu trolls. L'idée première était là, et comme vous avez vu tous mes essais infructueux, que ce soit avec l'arbalète de manière simple ou avec des munitions explosives, puis le revolver, il ne s'est rien passé. Que je tire sur l'interrupteur, le câble d'alim ou le boîtier d'alimentation lui-même. J'ai fait ça collé au mur et détaché du mur pour éventuellement esquiver un possible souci de collision, vous l'aurez compris, tel que je l'avais vécu précédemment dans cet opus par rapport au chevalier Bayard, là, celui qui était en armure sur son cheval et que j'avais perdu une heure de jeu en pestant. Vous pouvez voir les épisodes précédents pour savoir de quoi je parle. Voilà. C'est tout ce que j'ai à déclarer. On avance lentement, mais on avance. Et là, j'ai rien loupé, on est d'accord. Cette cour intérieure surélevée, là où j'ai zigouillé le gugus. Quand même dingue. Quand même dingue. Bon, on va retourner à l'opposé et puis faire le fameux saut. Alors, croire en Lara. Elle va réussir ce saut de fou furieux. Oh là là. La classe. Pour aller en face et retourner. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Oh punaise, il va déjà être midi. Je devine que certains d'entre vous, vous êtes déjà en train de vous faire la popote. La popote du samedi midi. D'ailleurs, je me pose la question, qu'est-ce que je vais me mettre sous la dent, moi, tout à l'heure. J'ai presque envie de dire, je sauvegarde pour rien, parce que je suis revenu au même point, sans avancée quelconque. Paire de jumelles... On est clair. Ou pas. Oh la vache. C'est vraiment bizarre. Ah, tu vas appeler la pizzeria. Oui, ça va être ton plaisir du samedi, ouais, cousin. Ouais, t'as bien raison. On va pas me dire que c'est le poison qui va faire la différence. Ce serait débile. Ce serait débile. C'est bizarre, j'ai l'impression que le truc chauffe quand je le touche. Je l'endommage, non? Faut tirer plusieurs fois?
C'est bizarre quand même le fait que ça fasse de la vapeur. Ou pas dire de la fumée. Attends, alors je vais recharger, mais cette fois-ci je vais y aller à l'artillerie lourde. Comprenez que je vais prendre les flèches explosives. Non, je suis allé trop vite. Chose ammo, explosive. Les flèches explosives. Là, ça fume pas, on est d'accord? Je tire sur le boîtier. Et ça se met à fumer. J'aurais changé l'état de la porte rien qu'en faisant fumer le boîtier? C'est ça le truc? La petite différence qui fait tout, c'est le fait que le boîtier fume? Et j'aurais lancé une épreuve en chronométrée? Attendez, on va voir si la vapeur s'éteint au bout d'un moment. Enfin, on va attendre juste une minute, pas plus, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Voilà, il est 47 dans mon chrono. Et on va voir si dans la minute, la vapeur se barre. En 10 secondes. Je ne vous ai jamais proposé du contenu aussi passionnant sur la chaîne. 20 secondes. Parce qu'évidemment, vous devinez, il faut laisser le temps à Lara de pouvoir déambuler en sens contraire pour éventuellement accéder à la porte qui correspond à la couleur rouge. On voit bien qu'elle est volontairement éclairée en rouge. Le shit Bob qui dit « Rio, Twinsen sur deux scores ». Oui, c'est vrai qu'il carbure de temps en temps la pizza aussi, Twinsen. Ouais. Là, ça fait 50 secondes, ça fume toujours. Donc, je devine que j'ai changé l'état de la... C'est subtil. Si c'est ça, c'est vraiment subtil. Alors, je recharge. Évidemment, je vais essayer de ne pas gâcher mes précieuses munitions. On n'est pas encore à la fin du jeu, je peux pas faire le fou. Chose à mot, on va dire que j'y vais à l'explosif, que je m'en équipe. Et je vais, excusez-moi du peu l'expression, tirer un coup sur le dispositif en question. Boum. Voilà, là il est pas content le machin. Est-ce que ça a changé l'état de la porte? Oui, là je verrai rien forcément, il faut que je revienne. Ah bah je pourrais pas, je suis bête. Je suis obligé de me laisser tomber, je peux pas... Il faut que je me recoltine le parcours. Enfin, si elle accepte de... Merci. Oh. Parce que je suis trop près du mur. Blablabla. Donc vous allez voir que le truc est chronométré à 2 minutes et le machin va se refaire venir devant mon pif. Mais... Oh, descends Lara, s'il te plaît. Après, il faut que je me retourne. Voilà. Allez, Lara. Allez, Lara. Look. Et repouk. Ah non! Oh la vache! J'ai lâché trop tôt! Non! La punition! Oh! C'est reparti pour un tour! Alors là, je suis navré, j'ai vraiment pas fait exprès. Oh! Aïe, 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 aïe. Allez, ça fume. Ça fume bien, c'est bon. Allez, top départ à la vachette. Alors, c'est où? Merde, je suis en train de me perdre, au secours. C'est par là-bas. Aïe, 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 aïe
Voilà. Allez, go. Je fus trop impatient et voilà, punition directe. Lara qui a le malheur de se laisser chuter là où il faut pas. Et là aussi, je dois l'admettre, c'est très bien programmé. C'est logique, bien fait pour ma tronche. En même temps, je vous avouerai. Bon, imaginons que la dite porte rouge soit ouverte. Je fais vœu qu'il y ait autre chose qui se soit déclenché également. Parce que... Je comprends pas en fait l'intérêt d'avoir fait ça finalement. Finelle, les mains. Et là, la porte, elle est ouverte ou pas? Rue sauvegarde. Non, la porte n'est pas ouverte. Bah merde alors. Alors que le truc s'est mis à fumer. Pourquoi? C'est vraiment étrange. Non, là, il n'y a rien de neuf. Bah merde alors. Je sens que je vais devoir déambuler ailleurs dans la ville. Ça fait une deuxième épreuve énigme face à laquelle je suis en train de choir d'être en situation d'échec. Il y a le coup de la combinaison d'il y a une heure, là, avec les deux sarcophages et tous les leviers. Et il y a cette satanée porte éclairée en rouge. Ah, mince alors. Merde, Doom, j'ai failli faire une énorme erreur. On est d'accord que là, de toute façon, on n'accède à rien, il n'y a pas d'intérêt. On va retourner voir l'endroit où il y a le boîtier qu'on voit à la lunette et on va se rendre compte que finalement, le truc, il fume toujours pas. Enfin, il fume plus. Ce qui voudrait dire que l'épreuve est chronométrée. Et là, orage au désespoir. Si, il fume toujours le machin. Il faut que je m'acharne à tirer dessus, mais non, je l'ai fait tout à l'heure. Il y a bien quelque chose qui a changé, du coup. Ou alors, c'est un autre élément éclairé en rouge que j'ai omis dans la ville. Qui aurait été altéré, on va dire. J'ai du solide. Alors, ça me défoule de faire ça, mais en même temps, je m'assure qu'il n'y a pas de bug de collision. Il n'y a pas à tirer sur les côtés, on est d'accord. C'est bizarre, ce truc. C'est très, très bizarre. Donc, dans mes sauvegardes, si je reviens en arrière... Je refais la manip du tir avec les explosifs. Je m'en équipe. Je tire pour faire fumer le truc. Même de là, je crois qu'on le voit. Voilà, on le voit d'ici. Un flamenco, une. Ah, flamenco. Eh ben, bonne app pour ceux qui passent à table. Bien vu. Du coup, ça me déconcentre dans mes choix avec Lara. Je fais nimp. Hop là, voilà. Le truc s'est mis... C'est quand même vachement éclairé en rouge. Hein. Ouais, mais après... C'est vraiment étrange.
si le truc est un peu plus loin, ça correspond à quel quartier? À là où je suis? De toute façon, là, je peux pas atteindre le truc. Ouais, on voit la diagonale infranchissable. Non, je peux pas. Le truc m'empêche de... Non, je peux pas. On voit que c'est dans un sens. Celle de chez toi me manque, c'était une tuerie. On était bons clients quand même. Ouais, ouais. Et il est toujours là, hein, le même pizzaiolo, année après année. De toute façon, il avait racheté les murs. Je l'ai pas vu depuis la crise sanitaire, le pauvre. Je suis plus jamais allé recommander depuis qu'il y a eu la satanée pandémie. Mais il est toujours là. Le talentueux pizzaiolo. Je ne comprends plus. Oh la vache, l'éclairage en rouge, on le voit par endroit, mais quelque chose de bien, quoi. Oh, que de mystère. Que de mystère. Oui, la prochaine fois, t'iras... Ouais, la prochaine fois que tu reviendras nous rendre visite en Lorraine, ouais. Ouais, ça pourrait s'organiser, l'idée de se faire une pizza... Une pizzouille partie. Ce sera avec grand plaisir. La lumière rouge. La voici, la voilà. C'est étrange. Pourquoi ? Parce qu'elle est au-dessus, visiblement. Là, je vais déambuler bêtement. Attendez voir. Là, ça... Ah, il y avait une plaque avant ici. Qui n'est plus là. Bah. Ah oui, elle s'est levée la machine. Oh la vache, elle est buggée en... Attendez. J'ai effectivement modifié le niveau. Maintenant, je peux arriver par là. D'ailleurs, je suis en train de me dire... La moto, le sidecar. Je pourrais, avec une bonne prise d'élan... Non, sérieux. Il est où le bolide de mort qui tue, là? Il est où? Il est où? Où est-ce que je l'ai garé? Je ne sais plus. Attendez, c'est le sidecar, la solution. Lara, il faut absolument que tu pilotes ton engin de mort. J'ai compris. Bonjour, EJ, comment ça va? Ah, un truc nucléaire, t'as eu les jetons. Non, c'était moi. Quand je tirais à l'arbalète avec les flèches explosives dans le jeu. Non, c'était moi. Mais c'est vrai que les bruits peuvent être flippants. Voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Merde, j'ai complètement cassé la prise d'élan. Ah, qui est con. Attends, on a regagné un tour gratos. Il faut que j'arrive avec une pêche d'enfer avec le sidecar. Attends, comme ça.
Merde. Les salopards, c'est pour ça qu'ils ont mis qu'une case. T'es obligé de faire preuve de dextérité. Les salopards, est-ce que ça va suffire là? Oui. Non. Est-ce que c'est le nitroxyde d'azote que j'ai pas installé qui me ferait défaut? J'ai l'impression. Mais comment on installe le nitroxyde d'azote maintenant que j'en suis en possession de la pièce? À chaque fois que je veux faire de la mécanique avec elle, elle me dit no. C'est une poupée qui fait non. Je ne sais plus. Ah, la piloter. Attendez. C'est ce virage qui est vicieux en soi. Ah bah non, mais non, mais quel abruti je fais. Ça, c'est la sortie, c'est pas l'entrée. C'est l'autre escalier, l'entrée du... Oui, depuis du palmier, je peux le faire. Accélération. Le virage technique. Non ! C'est pas possible ! Lara Croft, je t'en conjure. Il va falloir que tu fasses ta mécanicienne... Le bolide de ces morts qui tue de la mort. Ah ouais, non, mais puis qui rend fou, oui. Qui rend fou. Non, Lara Croft, il faudra que tu fasses de la mécanique, là. Je suis désolé. Mais elle est maline, Lara. Elle va bien réussir à faire de la mécanique. Attends, faut que je pose à plat le 7 car là, on est à plat. Là où je l'avais justement garé précédemment. Nitroxyde d'azote. Non. Pourquoi un jour tu peux pas dire yes dans ta vie? Non. Mais pourquoi t'as pas fait mécanique, Lara? Je me refuse de croire que t'as pas fait des études de mécanique. Non. T'es doué en tout. Surtout en pillage de tombe, mais ça, faut pas le répéter. Non. C'est pas comme si c'était ça qui faisait ta renommée. Non. Elle me tue avec son... Nya. On voit qu'il faut prendre la moto et se propulser en face. C'est ça qu'il faut faire. Ah. Mais comment? Eh oui, j'ai levé la porte en fait en faisant fumer le boîtier de mes deux là en rouge. Je courir et sauter. Elle peut sprinter, mais je crois que ça la casse dans son... Non, là, je l'ai... Ça s'appelle pas sprinter, ça. Attendez. On ne court pas dans les escaliers, vilaine fille. Voilà, là, elle sprint et... Elle est un peu cassée dans son élan. Non, mais sérieusement. Je vais la refaire sprinter, tu vas voir que j'ai pas le droit de sauter. On est bien d'accord, la touche saut, c'est celle-là. Je vais sprinter. Et saut. Oh, je savais pas qu'elle pouvait faire une roulade avant. C'est bon. Ah, non, elle a... Oh, magnifique. Il y a un truc, c'est Majax. C'est beau. Hop là. Ah, c'est dommage, l'animation, elle est cassée. Elle est cassée, l'animation. C'est beau. Allez, vas-y, saut roulade. Il y a de l'idée, Edge, je te l'accorde, merci de la supposition, mais ce n'est pas la bonne. T'es sûr qu'elle est humaine? Non. Comme Christella, on a eu des doutes hier avec ses conserves. Ah, c'est vrai qu'on a bien rigolé hier. Aïe.
Là aussi, il y a des moments où j'ai l'impression que... Est-ce qu'elle peut pas... Inaccessible et si proche à la fois. Oh la ra, la ra, la ra, la ra. Ah, c'est peut-être quand elle est sur l'engin qu'elle peut faire usage de la nitro, non? Non. No. En même temps, elle prendrait des gros risques, parce qu'en ayant activé le démarreur, non. Si elle manipule ça, à mon avis, elle se brûle gravement. En plus, c'est éventuellement de se broyer des pattes. Non. Non, 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 non. Ne me dis pas que c'est maintenant que je peux... Oui, on est d'accord, elle a pas... Elle a vraiment besoin d'un mécano pour installer la nitro sur son bolide. Ça. J'ai pas la conscience tranquille. Non. Oh. Pourquoi elle détache pas le sidecar? Sauvegarde. Hydrate le sage, oui, merci. Oui, on peut sauvegarder aussi, mais je crois que je l'avais déjà fait. Alors, sache que j'aime beaucoup ta remarque, Edge. L'idée de se séparer du sidecar. J'ai, crois-moi, eu la même idée il y a quelques week-ends précédemment en disant elle pourrait gagner en légèreté et en facilité de mouvement. Mais non, elle n'a pas voulu jouer les mécanos. Et c'est mon principal regret. Là, je comprends pas. J'ai enfin récolté la pièce de nitroxyde d'azote pour avoir une poussée supplémentaire, mais elle refuse de l'installer dans le sidecar. Non. Non, 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 base qu'on limite. Est-ce que... Non. Attendez. Que je me garde bien et que j'ai bien accès aux quatre faces du sidecar. Voilà, comme ça. Recule un petit peu. Et on va faire toutes les faces de l'engin pour s'assurer de voir qu'elle dit bien non et qu'elle veut pas. Non. Comment ça, c'est pas foutu? Sapi dit on, mais c'est pas foutu de détacher un sidecar. Oui, bah oui. Il y a un côté frustrant, effectivement, de ce niveau-là, mais elle s'y refuse. Non. Là, elle dit non, je veux faire toutes les faces du sidecar. Non. Non, ouais. Là, pareil, je vais à l'arrière et non. Pareil. Non. Donc, faut-il que je parte à la rencontre d'un mécano? Comme terrible! Tu as la pipe ou la valve? Je n'ai ni la pipe ni la valve. Oh cousin, t'es en train de me guider, et de me suggérer... c'est non! Bonjour la Jed, ouais c'est ça. Non. T'es en train de me dire qu'il me manque un outil qui est à trouver dans le niveau. J'ai la baramine, le pied de biche, mais... Il me manquerait donc une pièce pour faire le mécano. Oh, je sens que c'est là où j'étais avant. C'est là où il y avait l'énigme avec les chiffres. Je veux bien y retourner, hein, mais... Pour ceux qui n'ont pas vu tout ce matin, là, j'avais... On va y aller, on va retourner, je sais plus où c'est. La ville est tellement grande qu'on s'y perd. C'était par là, je crois. Je pense que je peux y aller largement à pied, ou pas. On va y aller en sidecar. Je suis perdu, la ville est grande, il y a tellement de lus. C'était où l'énigme? L'énigme! Ah oh mais non, mais je suis revenu là où il y avait le minotaure de mes deux. Oh non, 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 non. Oh non, c'est fini le minotaure qui me les a... Hein? Merde, il y avait une autre sortie dans la ville, je crois, non? Bah là, forcément, non.
puisque je peux pas. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas fait avec le sidecar ici. Et que je ne peux pas faire. C'est logique, tu me diras. J'en dirai pas plus, pas de. Oui, bah oui. Oui, bonne pizza, bon app, bisous, à plus. Oui, merci de pas me divulgâcher l'œuvre. Mais tu m'en as presque déjà trop dit, mais merci, au moins ça me guide, ça m'évite de m'acharner sur un endroit où j'ai plus de... Ah, il fallait peut-être que j'aille à pied là où il y avait le... Et de biais, ouais, ça marche pas. Oh, c'est nul quand les... C'est frustrant ça, d'être coincé à l'angle et de devoir reculer pour pouvoir se dégager et repartir. Enfin bon, ça fait partie intégrante de la mécanique du jeu. Je vous dis ça de manière totalement déjà bugée. Oui, non, allez, je vais arrêter de faire le foufou et je vais y aller à pied par là. C'était quoi par ici? C'était pas une partie de la ville qui était intéressante, je crois. Hein. Je crois. Oui, c'est... Oh, Lara. C'est par là qu'il y a le... L'énigme. Non. Je sais déjà plus. Oh, j'ai arpenté... Ah, bug. Il y avait la toile de mort que j'ai oublié, qui m'a bien allumé. Non, c'est pas par là encore. Merde. Oh, je sais plus. Je suis perdu. C'est horrible. C'est horrible. Oh merde, je sais plus. Attendez. Donc je serais condamné à passer par là. Ouais, mais là, c'est le Minotaure qui me les brise. Oh. Il vient déjà me faire un coucou. Faut que j'aille en face, là. Changement de niveau. Ouch. Non, c'est encastré dans l'angle. Oh, cadeau Anthony. Bonjour Anthony, comment tu vas? Oh, ça fait un bail, mon pauvre, que je suis pas venu te voir. J'ai eu le plaisir de faire la causette en off, je sais plus, il y a 15 jours à ta douce amende. On se prenait de nos nouvelles mutuellement. Oh là là, merci à toi de me rendre visite. Je me sens d'autant plus honteux vis-à-vis de toi, Anthony. Parce que depuis quelques semaines, tu t'es mis à diffuser même le matin. J'ai pas pris l'occasion, pardon, de te faire un coucou. Alors que je voyais bien que t'étais en ligne. Attends, je suis complètement perdu dans la ville. Mais non, je... Attends. Je suis où, là? Non, je reviens au truc du Minotaur. Merde. C'est le ravin. Oui, c'est le ravin avec le Minotaur. Demi-tour toute. Merde, c'était où le truc? Alors, attends. Ah, je l'aime, hein, cet angle de mes deux. Oui, on va bien, merci. Oui, t'inquiète pas, c'est pas grave. Oui, enfin, quand même. Faudra que j'essaye dans la semaine qui arrive à au moins te faire un coucou sur ta chaîne. Mais c'est bien que vous alliez bien, c'est cool. Nous, dans l'ensemble, ça va. Oh là là, cette ville, elle est énorme, je suis perdu. C'est où le truc où il y avait l'énigme des nombres? Mince, je vais retomber là, j'ai retombé là où il fallait pas tomber. Ah! Oui, allez, fais ta comique, Lara.
Je peux pas faire demi-tour là-dedans. Et la sortie, c'est par là-bas. Voilà. Hop là. Alors, une fois que je suis là. Merde, je sais plus. Non, là, c'est un truc que je peux pas franchir parce que j'ai pas la nitro. Comique. C'est de là que je viens. Voilà, je suis en train de tourner en rond. Mais c'est pas vrai, je retrouve plus l'endroit où j'étais en ville ce matin. Là, la partie que j'avais peu explorée, qui avait l'énigme des valeurs sur les sépultures. Le jeu qui rend fou. La ville est tellement immense que je m'y perds. Attends. Mais non, mais c'est pas une route, ça. C'est une... Ah! Oh là 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 là. Alors, je vous cache pas que j'aurai un grand plaisir à découvrir les niveaux complètement fouillés et expliqués par Christophe alias Morlock et Vieux Jeu. Il les a rincés, les Tomb Raider, avec un talent fou. Mais non, non, faut pas que j'aille là, c'est la mort. J'ai pas la nitro, je peux pas passer le ravin. Ah! Mais c'est pas vrai! Si c'est pas là, c'est par là-bas. Donc c'est pas le niveau là. Il faut pas que je prenne la partie là avec le Minotaur. Je me suis fourvoyé. Donc je vais refranchir le ravin. Voilà, c'est toujours chaud par ici. Bon là je peux pas sauter sur le côté droit parce que pas de nitro. J'ai pas assez de puissance. Je me réengouffre là-bas. Donc, par élimination, il me reste une autre sortie dans la ville, mais je sais plus c'est laquelle. Est-ce que c'est par là ? Non, mais je suis pensé avec le... Oh là 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 là, cette ville. Cette ville de fous furieux. Non, c'est pas possible. Et quand j'étais... J'y suis allé à pied, je crois, mon truc d'énigme. J'étais à pied, pas en moto. Ah, c'est la machine qui va me buter. Ça, on voit que c'est une sortie, mais c'est pas possible. Il va falloir que j'observe mon propre ralenti. Non, là, il y a la machine qui va me défourailler au flingue. Je sais plus, elle est toute proche. Elle est toute proche. Non, elle est pas là encore. Il va falloir que j'observe mon propre ralenti de ce matin pour me souvenir où est-ce que je suis allé me fourvoyer pour retrouver l'endroit. Non, mais là, c'est la mort. J'avais forcé la main en essayant de passer la machine qui me trucide. La mitraillette sur pied automatisée, là, et c'était un coin perdu. C'était bizarre. Oh là là, les niveaux sont tellement grands qu'on s'y perd, quoi. On peut le dire, c'est vertigineux à sa manière. Où est-ce que je suis allé, bon sang?
Oi, 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 cet opus de folie de Tomb Raider. Bon app pour ceux qui vont à table. Eh oui, j'ai bien compris qu'il fallait y aller en moto. Comment j'ai fait? J'essaie de rembobiner le magnétoscope dans ma tête, si je puis dire, par rapport au lieu. C'est... Waouh! Ça en deviendrait presque vexant. Oui, c'est peut-être pas dans ce niveau, cousin. C'est peut-être ailleurs. Dans les embranchements des niveaux dans la ville. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Comment j'ai fait ce matin? Je me vois en train de faire les épreuves des leviers avec les valeurs. Les combinaisons que j'ai pas réussi. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là tôt ce matin, c'était ça. J'avais noté gribouillé sur un verso de ticket de caisse. Mais... Oh, ce Minotaur 2002. Et si c'était pas là, c'était où du coup? Je vais retourner dans l'autre niveau là. Je suis mort. Ah! Je suis pas. Mon angle d'approche était différent, je suis pas pété l'angle. Ça fait plaisir. Ah, j'ai ouvert par là. Qu'est-ce que j'avais fait en moto? Le ticket du sex shop du coin. N'importe quoi. N'importe quoi, cousin. Calomnie. Mais bon, là, c'est la mort. C'est un ravin que je peux pas franchir. On le savait déjà. Je suis en train de me dire, on n'a plus de boutique, on va dire, érotique à Nancy. Du coup, je reprends ton propos sérieusement, cousin. Mais il n'y a plus sur Nancy. Parce que je me souviens, à une époque, près de la rue de Metz, il y avait... Il y avait un magasin, un sex shop, comme on les appelle. Où il y avait, en fait, il y avait une nana, là... C'était vachement bien fait parce que il y avait l'aventure, si vous voulez, vous aviez l'affiche du magasin en rue, c'était un, enfin l'enseigne comme on dit, c'était une nana qui était en, on va dire, en croix mais en train de s'exalter, poitrine en avant, et je me souviens être passé en voiture avec mes parents quand j'étais gamin. Et je leur avais dit, ah, mais vous avez vu la boulangerie? Et je me souviens de mes parents qui me disaient, mais non, mais il n'y a pas de boulangerie, qu'est-ce que tu racontes? Et je leur avais dit, mais si, vous avez pas vu l'enseigne avec le croissant à quatre bras? Et là, ils ont rigolé. Et c'est évidemment plus tard que j'ai compris ce que c'était, que c'était évidemment pas un croissant. Mais comme quoi, c'est bien dessiné. Et je crois qu'on a plus ce genre de boutique... Oui, bah peut-être, pardon, peut-être que toi aussi tu pourras en témoigner, Nayonet, comme t'es nancéen comme moi, mais je crois savoir qu'il n'y a plus de boutique érotique à Nancy. Ça a disparu, ça, depuis des années. Bref, je sais pas ça qui m'aide à me repérer dans la ville. Ça, je viens de là. Ah, le jeu qui rend fou! Comment j'avais fait mon affaire? Putain, mais c'est pas vrai! Ça, c'est le truc ravin... Ah, va mourir!
J'en ai marre. Je deviens fou. J'ai dû avoir la même réflexion. Ouais. Boulevard Lebeau, d'après toi, il y en aurait ? Je déambule, c'est pas mon secteur le boulevard Lebeau. J'y déambule jamais, donc peut-être. C'est vrai que c'est une des artères commerçantes, enfin surtout en bagnole de la ville, mais... Bon, je vous avouerai ma situation d'échec. Je ne retrouve même plus l'endroit où j'étais ce matin avec les leviers et les sarcophages. J'essaye de faire travailler ma mémoire magnétoscope. Comment j'ai fait pour y arriver ? C'est là où il y avait le mec... Non, j'y suis allé à pied. C'est là où il y avait le mec gémissant avec l'arme. Et où il y avait le dragon qui me crachait du feu. C'était où ? C'est à pied qu'on n'y va pas en cette car. C'est un endroit que je peux que rejoindre à pied. Faudra que je revoie mon ralenti. Écoutez, pardon, on va s'arrêter là parce que j'arrive au bout du bout là. Je suis en train de faillir. Je vais vous faire un relais de chaîne. On se retrouvera tout à l'heure vers 14h. Je vais aller me restaurer et me reposer le cerveau là parce que... On reprendra sur du fir, je pense, vers 14h. Attendez, vous avez gagné le droit de voir ma tronche. Je vais pas vous mettre mon bureau bêtement. Voilà, là, normalement, vous me voyez. Ouais, c'est cool. Oui, il faut que j'en sois mon navigateur pour savoir qui est en ligne et chez qui je peux vous... Message de El Chit Bob 11. Sarkozy sera enterré dans un sarcophage XD. Ah, soupir. N'importe quoi. Parlons peu, parlons local. Chez Mag... Wow, l'autre il m'agresse sur une, avec une pub sur une chaîne qui est même pas en direct. Non mais ils sont fous, Twitch. Ils sont fous furieux. Ok, à part joueur du grenier, j'ai personne. Oh, c'est dommage de casser la... La belle coutume du relais de chaîne. Oula, puis je suis en train de me mettre en... Je sais pas si je peux éventuellement vous faire confiance parmi vous. Est-ce que l'un d'entre vous aurait un petit diffuseur qui a même pas 10 spectateurs? Je me tourne par exemple vers Aerostar. Je sais que t'as un grand répertoire de personnes suivies. Qui c'est qui mériterait d'être mis en lumière d'après vous? Dans ceux que vous connaissez. Je reste ouvert à vos propositions. Ah là là là, ce Tomb Raider. Merci Aerostar, ouais, tu regardes dans ton répertoire. Parce que ça m'ennuie de... Je vais pas vous mettre chez Fred, tout le monde connaît joueur du grenier. Il a plus besoin de publicité, le garçon. Ah là 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 là. Pa-pa-pa-pam-pam. Ouais, parce que là, visiblement, il n'y a pas grand monde sur Twitch. Les cinématiques. Ouais, il faudra que je les remette dans l'ordre, les cinématiques de Tomb Raider 4. Et ce sera pour bientôt qu'on va se faire notre petite séance cinéma récapitulative de tout ce qui s'est passé dans cet opus qui est waouh, qui est vraiment énorme. Hein, je ne cesse de le dire. Énorme, énorme. Ah, ah, je m'amuse à faire ta pub du coup à Hero. C'est rigolo. Surtout que tu diffuseras normalement aujourd'hui. Le week-end tu diffuses. C'est vrai? T'as quasiment personne dans ton secteur non plus? Oh, bon, vous autres, je pense que vous êtes partis déjeuner. Je pense Anthony par exemple, j'ose plus vous enquiquiner, mais... Ou alors, vous savez, je vais regarder l'excellent site qui est petitstream.com. On va voir chez qui il met en lumière, et puis je vous mets chez cette personne. C'est un peu risqué parce que je sais pas.
Je sais pas chez qui on va tomber. Donc, attendez voir. Je regarde rapidement ce que propose petitstream.com. Actuellement, il Tommy the Cat. Ah bah, je me coltine une pub. Ça va pas m'aider à me faire une idée. Est-ce qu'ils ont des spectateurs? Ouh, il y a l'air d'avoir du monde. Ah, il y a beaucoup de robots dans sa liste. Il a pas viré les robots errants. Le mec, il fait du... La voix du Samouraï 3. Je sais pas ce que ça vaut. Allez, soyons fous. À mes risques et périls, hein, parce que je connais pas l'individu. J'espère qu'il parle bien et pas en mal. Ça a l'air pas mal son jeu, je le connais pas du tout. La voix du Samouraï 3. Étrange. Ils m'ont l'air corrects. Les quelques commentaires que j'ai vus dans leur chat, ça semblait convenable en bon français. Ah, t'as quelqu'un. T'as Bipoland sur Warframe. Ok, c'est quelqu'un que tu connais. Bon bah, je te fais confiance. On va voir Bipoland sur merci Aerostar sur Warframe. Non, non, c'est Bi ou Bli. Bli. Voilà, mon écran est tellement lointain que... Red Beep Loland. Apparemment, ça fonctionne. Gestionnaire de stream. Est-ce que je peux provoquer le relais de chaîne maintenant? Moi, je vous dis à 14h, je reviendrai sûrement comme d'hab sur du Fear pour me défouler comme un fou furieux. Oula, l'interface, elle est éclatée. Oh non, l'interface a encore changé. Bon, bah j'espère que le truc va s'exécuter. Le raid, tu dis, El Cheat Bob. Oui, donc vous voyez qu'il y a un relais de chaîne qui est lancé, c'est ça? Qui est amorcé. Je vois même pas mon propre truc, c'est un désastre. Ah bah j'ai ma tablette, abruti que je suis. Je pourrais regarder mon signal, ce que j'envoie via ma tablette. Je regardais tout à l'heure si j'avais bien... Oui, mais oui. Ok, Hero. Merci. Pourquoi il me lance YouTube, cet abruti? Oh là, là là là, ma tablette qui est en... Donc, à tout à l'heure, 14h. Ouais, oui, ok, merci, Hero. Oh, il y a des interfaces qui sont mal conçues. Il faut que j'appuie 50 fois sur 50 trucs pour avoir ce que je veux. Bon, bah, c'est cool. À tout à l'heure, je vais faire la connaissance avec Bli Poland. Poland, c'est la Pologne. Alors, Bli Poland. Bisous tout plein, bon app, à tout à l'heure. Alors, que je découvre l'intéressé. Bonjour, monsieur. Oh, merci le sage de Nancy. Incroyable, comment vas-tu? Ah. Bonjour. Merci beaucoup pour ton raid. Attends, je te fais un saut. Quand on... Bonjour tout le monde. Bah ça va bien, merci. J'arrive, je fais un saut à la nuit. Ah bah... Merci infiniment pour ton follow. Oui, a eu la gentillesse. Alors, Aerostar, il a eu la gentillesse. Bonjour tout le monde, ça va bien, merci. Est-ce que ton stream s'est bien passé, l'ami? Ce canal... Car j'avais personne. J'avais personne de mon côté. Et j'adore la... Twitch des relais de chaîne. Aerostar, comment vas-tu, l'ami? Il était sur Tomb Raider, le Last Revelation. De me céder le canal car j'avais personne de mon côté. J'adore la tradition Twitch des relais de chaîne. Oh bah écoute, merci infiniment, Aerostar. Aerostar, qui était sur Volgar le Viking. Je connais pas. Allez, le sage, un petit follow pour le sage. Incroyable du fion. Merci encore.
Ah bah. La promenade d'été dernier, incroyable. Par contre, je n'ai plus mon Twitch sur mon. Ah, ça y est, c'est revenu. Wouhou! La vie du monde, j'ai ma deuxième écran. Moi-même, merci. Ah, merci, le sage de Nancy. Merci beaucoup pour le follow. Allez, je vais couper l'enregistrement. Bienvenue à toi. Et merci encore pour le raid. Enchanté en tout cas. Eh ben, pareil. Enchanté. Il m'a l'air très sympa ce garçon. C'est bien, je suis content d'avoir la référence d'Aerostar.